Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de la fraternité où, comme j'aime bien à le dire, chaque soir, nous essayons d'apporter les arguments pour essayer de nous convaincre mutuellement. Et notre objectif n'est point de chercher à vaincre qui que ce soit, parce que la réalité de la vie, elle réside dans les arguments et dans la bonne manière. Et comme vous le savez, personne ne peut dire qu'il est étranger à ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et vous savez ce qui enflamme la toile dans les heures qui passent actuellement, c'est le discours de violence d'un certain individu. Voilà, et ça choque beaucoup de personnes. Mais au-delà des sentiments, il faut que les militants apprennent à être réalistes. Être réaliste, c'est être capable d'apprécier les choses sans état d'âme. Et l'individu a été trahi par son subconscient. Et il a montré toute la haine qu'il a. Et comme si ça ne suffisait pas, il vient faire encore une autre vidéo dans laquelle il se moque royalement des uns et des autres en pensant que ça sera suffisant. Et chers parents, chers Ivoiriens et toutes les personnes éprises de paix et de dignité humaine, de tels propos ne sont non seulement pas tolérables, mais cet individu doit être puni. Et ce sinistre individu doit connaître la rigueur de la loi dans toute sa dureté. Et je sais déjà son nom, mais j'aimerais avoir des informations claires et très précises. Et je vais les recouper, les analyser et les remettre à la direction de la générale de la police nationale de la Côte d'Ivoire. Et ceux-ci se chargeront de poser une plainte et collaborer avec la police française afin de trouver les mécanismes pour décourager ces marchands de la haine. Parce que les gens aiment être beaucoup dans les sentiments, mais quand le moment des sentiments finit, sachez que le discours que ce monsieur-là a tenu, c'est un discours qui tue des vies humaines, qui détruit des vies humaines et qui met en danger la vie de millions d'individus. C'est un discours destructeur. Et maintenant, dans le discours, lui-même sans comprendre ce qu'il disait, il disait comme ça, qu'après la libération de Gbagbo, ils peuvent maintenant reprendre la haine, tuer les êtres humains, les brûler vivants. C'est ce qu'il est en train de dire quand il dit que Laurent Gbagbo a été libéré et que maintenant eux sont libres. C'est ce qu'il disait maintenant. Et donc l'individu a été trompé, mais il n'est pas le seul. Et il y a plein comme ça qui pensent comme lui. Et donc, chers partisans du RHDP, que vous soyez à Paris ou partout dans le monde, si vous n'arrivez pas à prendre vos responsabilités, c'est que ce n'est plus la peine. Et quand je parle de prendre vos responsabilités, que vous soyez un ou que vous soyez deux ou trois, à la lumière de ce que cet individu, sinistre individu a évoqué et a dit, c'est largement suffisant. Dans un pays, ici la France en est un, de droits de l'homme, ce discours-là est largement suffisant pour le condamner. Que ce soit en Angleterre ou en France, partout, vous partez directement à la police, même si vous voulez en tant qu'une simple personne. J'ai son nom que je vais vous communiquer. Vous partez à la police. Vous dites à la police d'analyser ses propos et que vous, en tant que citoyen ivoirien résident dans tel pays ou tel pays, vous venez porter plainte en votre nom contre ce monsieur-là. Et demain, c'est lundi. Chers parents de Paris, faites tout. Faites tout, comme je l'ai dit, je vous donnerai son nom. Jusqu'à ce qu'on dise demain midi 13h, il faut que régulièrement une plainte sorte contre cet individu. Parce que ce n'est plus acceptable. Et c'est des choses, à force de jouer avec, on va faire détruire des vies humaines. L'individu en question s'appelle Goré Bi Trésor Vanier. Il s'appelle Goré Bi Trésor Vanier. Et sur les réseaux sociaux, il se fait appeler leader anti-RHDP Ouattara. Je crois qu'on peut faire passer des idées. On peut donner ses avis, c'est le plus important,
Mais inciter à la haine pour tuer des pauvres citoyens, pour soumettre une catégorie de la population à la vindicte populaire, c'est être allé trop loin dans la bêtise. Et ça, je le dis aujourd'hui, si nous, les militants du RHDP, nous utilisons une fois de plus encore notre lâcheté et notre incompétence à dire que Ouattara n'a pas dit de déposer plainte, à dire que non, comme il y a la neige aujourd'hui, on ne pourra pas poser plainte, à dire que si je m'en vais poser plainte, ça va poser un problème. Il y a des plaintes qui ont été posées contre l'Ali Chérif. Et donc, vous pensez que nous sommes là pour souffrir seulement, chers militants de Paris surtout, ne faites pas semblant de ne pas savoir que cet individu existe chez vous à Paris. Et devant l'histoire, toute personne qui saurait prendre ses responsabilités, vous allez faire quelque chose de grand et de très utile. Parce que si nous nous taisons et si nous voulons faire semblant de ne pas prendre le taureau par les cornes en face de ces haineux, partout où ils se retrouvent, c'est que nous-mêmes, on a vraiment aimé que nos parents meurent en Côte d'Ivoire. On aura souhaité que Gbagbo fasse ce qu'il a à refaire. Parce que ces individus, avec la libération de Laurent Gbagbo, comme je vous le disais, vous venez de comprendre au fur et à mesure ce que je vous disais. Donc, on pensait que j'étais violent ou bien que je voulais inciter à ce que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi, tout naturellement, que de tels individus, ils existent. Et la sortie de Gbagbo, et Gbagbo même complice, parce que ce monsieur-là n'a jamais fini de faire dans la haine et dans le désordre, à tel point qu'il ne peut même pas faire un discours. C'est un défi que je lui lance. Mais il est de votre devoir, en tant que citoyen lambda, si vous résidez à Paris, de poser régulièrement une plainte contre l'individu que je viens de citer. Et si une seule personne réussit à le faire, sincèrement, ça serait une bonne chose. Mais si tous ceux qui sont à Paris, toutes les personnes qui sont à Paris, si vous arrivez aussi à échouer historiquement, je crois aussi que ça sera quelque chose qu'on retiendra. Et devant même vos contemporains, devant même les personnes de votre époque, vous n'aurez plus le droit de citer. Parce que vous aurez vous-même marché sur votre propre dignité. Quand une personne se met en dehors de la loi, quand une personne se donne le droit de violer la loi, alors cette personne-là accepte que la société lui impose une ligne de conduite. Et si vous qui êtes la société, vous qui êtes ceux à qui le criminel a commis des actes, si vous voulez trouver des langages détournés, des langages de lâcheté ou bien des langages d'irresponsabilité pour vous excuser et de ne pas pouvoir mettre la main à la pâte, je crois que le temps des excuses est fini. Et ceux qui veulent se blaguer en disant ils sont sortis pour faire des trucs, mais justement le criminel, chaque fois qu'il sait qu'il sera pris, naturellement, il vient effacer les traces de ses crimes. Mais cela ne fait pas de lui quelqu'un qui s'est repenti. Et donc, il y a aussi un animal blindé qui était avec lui. Je dis bien l'animal blindé parce qu'il n'est même pas important qu'on parle de lui. C'est vraiment un animal qui voulait essayer d'arrondir les bords. Mais moi, personnellement, si vous connaissez cet animal, je n'ai jamais parlé de lui. Mais s'il peut m'entendre aussi, je dis à cet animal-là, s'il ne se méfie pas dans les 2 semaines qui viennent, il aura des très gros problèmes à Paris. Maintenant, si peut-être ce que je dis n'est pas possible, que cet animal-là sorte, ou bien ceux qui le connaissent, relayez le message et qu'il dise seulement que ce que j'ai dit, je ne peux pas le faire. Je parle bien d'un certain animal blindé. Quand on est un animal, on mérite d'être en cage. Et c'est quelqu'un qui est carrément un idiot et un taré, et on n'aime pas s'occuper de lui. Mais la bêtise dans laquelle il est en train de tomber, nous n'allons pas accepter cela. Et je dis bien à tous nos durs gars de Paris, quand je dis les durs gars de Paris, vous qui êtes rentrés en contact avec moi pour faire quelque chose, vous savez de quoi je parle. Je souhaite que, dès qu'on finira cette émission, que vous rentrez en contact avec moi et je vais vous donner l'ordre directement de faire ce que vous devrez faire. Je vous donnerai l'ordre directement de faire ce que vous devrez faire à l'animal pour essayer de le remettre en cage. Et donc, vous savez de qui je parle. Quand je dis les durs gars de Paris, vous savez de quoi vous êtes capable et vous savez ce qu'on sait entre nous. Et donc, dès que je finirai cette émission, vous rentrez avec moi en inbox. On va communiquer et mettre une stratégie en place et remettre l'animal dans son expression la plus vile.
la plus inutile. On ne peut pas continuer à insulter des communautés. On ne peut pas continuer à insulter la dignité de certains êtres humains. Dans la vie, on peut tout perdre, mais il faut toujours laisser le choix à l'être humain de conserver sa dignité. Quand on a tout perdu, qu'on a encore sa dignité, ça veut dire qu'on mérite d'être un être humain. Mais chaque fois, après plus de 20 ans, après avoir froissé la dignité des uns et des autres, après avoir commis des charniers, après avoir fait violer des dames, après avoir commis des milliers de morts, après avoir commis toute forme d'excès et de turpitude, on en vient encore à se retrouver à ça. Alors que ces haineux présentent des multitudes d'excuses, mais le changement, la réforme et même la rédemption de leur côté n'est que pure affabulation. Il est maintenant impérieux, il est même nécessaire et c'est une obligation pour toutes les personnes qui sentent que ce monsieur-là a mis la vie de leurs parents en danger. Si vous aimez vos parents et que vous savez où ce monsieur se trouve, si vous êtes dans le même pays que lui, jusqu'à demain midi à l'heure de chez vous, s'il vous plaît, la première personne qui pourra poser une plainte contre ce monsieur-là, ça serait quelque chose d'historique. Et je vous ai déjà donné son nom et la vidéo existe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on a déjà. C'est quelqu'un qu'on a déjà. Et donc, faites preuve, s'il vous plaît, chers parents de Paris. Ne venez pas me dire des arguments qui ne tiennent pas. Je veux entendre des personnes qui me diront, demain, moi, j'irai poser plainte contre cette personne-là. Je veux sincèrement avoir une garantie ce soir avant qu'on ne finisse l'émission. Parce que trop, c'est trop. Ouattara seul ne peut pas tout faire. Et moi, personnellement, avec beaucoup d'autres cyberactivistes, nous faisons ce que nous pouvons. Parce que le cyberactivisme, c'est aussi une manière de mettre sa vie en danger. Et vous le savez très bien. Et vous ne pouvez pas être que des personnes qui écoutent. Ce ne sont pas des séances de prêche que nous venons faire. C'est aussi des séances de moralisation, de conscientisation que nous venons faire. Et donc, il est de votre devoir, si vous aimez ce que nous faisons pour sauver des vies humaines, que vous puissiez venir là et jouer aussi votre part. Dans la vie, Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être un spectateur. Dieu n'a jamais créé pour être un spectateur. Sauf s'il se trouve que nous sommes ici en train de faire de l'hypocrisie entre nous. Et donc, cette situation-là va permettre qu'on sache qui fait quoi et qui veut quoi. Si les gens de Paris ou bien de l'Europe n'arrivent pas à poser une plainte régulièrement contre cet individu d'ici demain midi, sachez que moi, je serai profondément déçu de chacun de vous. Parce que trop, c'est trop. Aux États-Unis, de telles choses ne peuvent pas exister. Aux États-Unis, tant qu'il y a Dempsey de New York, tant qu'il y a l'éclaireur qui existe, de telles choses ne peuvent pas exister. Et nous savons de quoi nous sommes capables. Et à un certain moment de la vie, on ne demande pas à quelqu'un d'être violent, mais tous les mécanismes de la loi sont là aujourd'hui pour essayer de réduire cet individu à sa plus vile expression. Et donc le choix, il est à vous de le choisir. Vous voulez toujours continuer à vous plaindre, mais sans jamais chercher à poser une action pour changer votre propre vie. Alors on arrête de se plaindre. Voilà une occasion historique de ne pas laisser cette histoire tomber. Et donc, je vais passer aussi au deuxième sujet avant de tomber dans les cas sociaux. C'est malheureux, mais malheureusement, nous assistons à un fait qui est devenu plus que récurrent. L'éclaireur partage des sujets. Ces sujets d'analyse peuvent souvent me prendre des heures. Souvent même, il y a des documents de la présidence avec nos liens que je poste et que vous ne trouverez jamais ailleurs. Mais nos éditeurs, peut-être parce qu'on leur donne des choses trop importantes, les gens trouvent cela que c'est trop facile et vous ne connaissez pas l'importance de ce que nous vous donnons. Et donc, à partir du lundi jusqu'au lundi prochain, je ne ferai plus de postes. Je ne ferai plus de postes. Et donc, chacun pourra se débrouiller comme il veut. Et donc, durant l'émission aussi, on va se limiter simplement aux différents thèmes. Parce que si vous remarquez très bien, la majeure partie des informations qui sauvent des vies, et la majeure partie des informations, comment vous pouvez comprendre qu'un post qui est posté en une journée qui fait près de 1300 vues, il y a zéro partage. Chers auditeurs, je ne suis vraiment pas content de vous. Et vous savez que je suis très bien dans ce que je fais. Les partages, moi, je n'en ai pas besoin. Cette activité, je n'en ai pas besoin pour vivre. Et vous pouvez aisément comprendre cela. Mais quand on en vient à ce qu'on peut, on arrive à faire un travail pour essayer d'éclairer les gens, d'informer les gens et d'essayer d'anticiper sur les événements. Regardez combien chacun de nous et vous est très déterminé à partager les vidéos des gore. Arrêtons d'être des hypocrites. Ça, je ne suis pas content et je préfère le dire directement. Vous connaissez l'éclaireur. Et donc, ce que nous faisons, c'est de l'hypocrisie la plus absolue. Et je parle de chacun de nous tous.
Le site de l'éclaireur, ce n'est pas pour l'éclaireur, c'est pour chacun de nous. Et quand une information est mise, vous savez qu'on ne peut pas douter de la nature de l'information. Mais comment vous pouvez venir voir quelque chose, 1200 personnes, mais personne n'est fichu de partager. Et donc, pendant une semaine, je me ferai foi de ne poster rien du tout. Je ne posterai rien du tout. Et donc, le soir, quand on viendra, les 4 ou 5 sujets qu'on va aborder, on ne sortira pas aussi en dehors de ces sujets-là. Et là, quand c'est comme ça, vous allez manquer cruellement d'informations. Et vous allez comprendre que ce que nous faisons, on ne le fait pas parce qu'on aime, mais on le fait parce qu'on veut sauver des vies. Mais quand on vous demande d'aller poser une plainte contre un individu, un criminel, vous trouvez les arguments les plus farfelus. Et donc, j'attends les gens du RHDP. Demain, à partir de heure de Paris, je vous attends. Et en fonction de votre réaction, demain, là, moi aussi, je vais changer ma position. Si vous vous montrez incapable de poser une plainte régulièrement et de poster ça sur les réseaux sociaux, demain, moi aussi, je change ma position. Ça, c'est un. Mais comme un avant-goût, je ne peux pas demander à quelqu'un de partager les postes. On ne peut pas être à plus de 20 000 personnes. Et les postes très importants pour sauver des vies sont faits entre 0 et 3 vues. Je comprends que je ne peux pas obliger quelqu'un à partager les postes. Et je ne demande même pas à quelqu'un de partager. Et donc, je vais pouvoir aussi gagner mon temps durant une semaine à ne pas du tout produire de postes. Et toutes les informations que j'aurai, je les garderai pour moi. Et donc, c'est un peu les deux sujets que j'aimerais vous évoquer avant qu'on ne puisse progresser. Et donc, nous tombons dans le premier sujet du jour qui est enquête du jeudi. Et le titre ici, c'est « Intempéries liées aux pluies à Abidjan, déjà un glissement de terrain à Abobo. Que nous réserve la saison des pluies de cette année ? À en croire les prévisions météorologiques nationales, les pluies tomberont abondamment sur la zone littorale, dont le district d'Abidjan est la plus grande agglomération urbaine. Au regard des catastrophes enregistrées au cours des années antérieures sous l'effet des pluies diluviennes, il y a bien lieu de se demander ce qui pourrait arriver en 2021, même s'il est indéniable que les Abidjanais souhaitent vivement la tombée plus ou moins abondante de ces pluies, à cause surtout du délestage que subissent nos ménages, du fait de la baisse du niveau de l'eau dans les barrages hydroélectriques, imputable à la sécheresse qui semble vouloir perdurer. Nous avons visité quelques sites à risque de la ville d'Abidjan. Le constat est que rien n'a changé. Il reste toujours habité par des populations exposées aux éboulements et inondations éventuelles. Le bal des catastrophes liées aux pluies s'ouvre pour la saison pluvieuse 2021 dans la populeuse commune d'Abobo. Il s'agit d'un glissement de terrain qui a eu pour théâtre le quartier Plaque 2, désert. Non loin du groupe scolaire Plaque 2, municipalité, consécutif à une forte pluie tombée le dimanche 25 avril 2021. L'information est rapportée par l'une des victimes, M. Kwasi Kra Michel, ex-agent de la société Socimat à la retraite. C'est la voix chargée d'émotion qu'il raconte sa mésaventure. Une bonne partie de ma maison contenant mes fauteuils, mes appareils électroménagers, des chaises et bien d'autres affaires ont été englouties au cours de l'éboulement, affirme-t-il. Il précise que la maison n'était pas habitée et elle a été abandonnée par sa famille et lui suite à une pluie qui s'est abattue le 6 mai 2021. La maisonnée fut construite la maisonnée fut contrainte d'abandonner par sa famille et lui suite à de quitter les lieux car une partie de la demeure avait été emportée par un glissement de terrain survenu ce jour. Différents effets matériels avaient été laissés sur place,
C'est dans la recherche d'une solution au problème qu'est survenu le deuxième glissement de terrain. Et donc, ça, c'était un peu l'analyse, pardon, l'enquête qui avait été faite. Et pour la majorité des personnes qui existent encore sur ces sites-là, l'une des premières raisons qui ressort, c'est le manque de moyens. Les gens affirment ne pas avoir les moyens de pouvoir se loger correctement, le manque de moyens financiers qui fait qu'ils sont toujours sur ces zones à risque. Et donc, le comité opérationnel des inondations mise en mission. Les autorités municipales ne restent pour autant pas les bras croisés. Face aux catastrophes à venir, le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie de la mairie d'Abobo, par ailleurs point focal du comité opérationnel des inondations, s'est entretenu ce vendredi 7 mai avec les points focaux des différents quartiers concernés. Monsieur Olivier Niang Anero leur a demandé de sensibiliser les habitants de leurs quartiers respectifs afin qu'ils quittent les sites à risque, qu'ils quittent les flancs de collines, les bas-fonds et tout autre lieu à risque. Et donc, ça, c'était un peu une première. Maintenant, du côté de Yopougon, il n'y a rien à signaler. La saison des pluies s'installe petit à petit dans le district d'Abidjan et Yopougon affiche les mêmes réalités que celles des années antérieures. Autrement dit, elle est et demeure toujours habité. Et ce, malgré la demande faite aux populations de quitter les lieux. Et donc aussi, par exemple, le sous-quartier de Mossikro, c'est aussi un environnement où nous avons des difficultés, mais les gens y sont au péril de leur vie. Et donc, c'est des choses qu'il faut signaler dès maintenant afin de pouvoir sauver des vies. Il faut aussi signaler le retour des déguerpies de Cocody. Dans la commune de Cocody également cette année, encore, l'on craint le pire. En dépit des travaux d'assainissement effectués pour assurer le drainage sans coup férir des eaux de ruissellement, aussi les autorités ont-elles intimé l'ordre à toutes les personnes qui habitent les différentes zones à risque à les quitter pour leur propre sécurité, car il y a lieu de croire que ces quartiers de Cocody n'échapperont pas aux catastrophes qui pourraient advenir. Et donc, il y a aussi des quartiers comme Gobelet et Bonoumé qui nous donnent une idée de ces raisons-là. Et donc, on a aussi fait une enquête là-bas et c'est des zones à risque qu'il fallait signaler. Et les gens, généralement aussi, y sont, comme je le disais, nous sommes conscients, c'est quelqu'un, un client de cette zone, il dit ça à un locataire, il dit, nous sommes conscients que nous vivons, nous courons en vivant ici. Mais ma famille et moi ne pouvons pas avoir un logement à 150 000 francs que les autorités nous ont donné. Voilà, et donc c'est toujours le problème financier. Mais encore, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question suivante? Est-ce que l'argent vaut mieux que la vie? Est-ce que c'est une obligation que de mettre notre vie en danger? Parce que à se poser les mauvaises questions, on finit par toujours se donner les mauvaises réponses, mais la nature ne change pas ses règles. Quand elle doit frapper, elle frappe durement et c'est des vies que nous perdons. Autant les autorités doivent faire des efforts et ils le font déjà. Non, pardon, elles le font, les autorités. Autant nous, la population, devrons en faire autant et quitter dans les excuses pour ne pas mettre en danger inutilement la vie de nos familles. Le deuxième sujet, c'est le port du masque. Et donc, la gendarmerie a pris des mesures fortes cette fois-ci pour pouvoir essayer de casser la dynamique de l'incivisme de ceux-là même qui sont sur les engins roulants, les deux roues. Et depuis quelques mois en Côte d'Ivoire, le taux d'accident de la circulation ne fait que grimper, endeuillant des familles et faisant des centaines de victimes, des handicapés à vie. Pour réduire ce fort taux des accidents, l'État ivoirien a décidé d'agir. Pour cela, la gendarmerie nationale est sur le terrain pour mettre en œuvre cette action de sécurité routière, rapporte une source. En effet, le commandant supérieur de l'armée, de la gendarmerie, s'il vous plaît, le général d'armée Alexandre Appalo, suivant les instructions de la hiérarchie, a entamé il y a quelques jours
une campagne de sensibilisation contre les accidents de la route. Un mois après sa tournée, la gendarmerie nationale est passée à la phase répressive, notamment sur le non-port des masques et des casques. S'il vous plaît, nous sommes en présentation. On va vous prendre après. On va vous prendre après. Dès que j'en aurai fini, je vais vous prendre. Et donc, surtout les engins à deux roues ou à trois roues, qui sont devenus de véritables dangers dans la capitale et qui sont aussi devenus des engins même de la mort. Et donc, il y a des villes comme Daloa, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro et Djikanou, Toumodi et bien d'autres, et j'en passe, où on note le plus grand nombre de décès dus à ces engins roulants-là et aussi à l'incivisme de nos populations. Et donc, c'était quelque chose qu'il fallait signaler. Et donc, les populations, quand on les a interrogées, elles disent apprécier l'opération de la gendarmerie et souhaiteraient qu'elle s'étende sur une longue période afin que les usagers adoptent les bonnes pratiques afin de réduire l'insécurité routière en Côte d'Ivoire. Et donc, ça, c'était vraiment une très bonne chose. Et donc, nous continuons avec le deuxième sujet qui est les affectations en sixième vont connaître un changement à partir de 2021, c'est-à-dire à partir de cette année. Et donc, voici ce que l'article nous dit. Contrairement aux années antérieures, c'est-à-dire 2019-2020, l'opération d'affectation en ligne des élèves de la classe de 6e au titre de l'année scolaire 2021-2022 se fera en deux étapes pour tenir compte des observations des parents d'élèves et pour célébrer l'excellence. La première journée sera entièrement et exclusivement consacrée aux élèves ayant obtenu au moins 153 points à l'examen du CEP et à partir de la deuxième journée, jusque pendant 3 semaines, tous ceux ayant obtenu au moins 85 points aux examens du CEP. Cette information a été communiquée ce vendredi par le directeur de l'orientation des bourses, Ayekwe Jérôme, au cours d'une cérémonie de lancement de la campagne nationale d'information sur l'affectation en ligne au lycée Sainte-Marie d'Abidjan à Cocody. Chers auditeurs, nous sommes dans les présentations. Quand j'en aurai fini, vous pourrez poser vos différentes préoccupations. Donc, ayez un peu de patience pour qu'on puisse en finir. Et donc, je vais essayer de réduire un peu les écrits qu'on avait faits. Et donc, faisant le bilan des précédentes éditions, Monsieur Ayeko Jérôme a rappelé que l'opération d'affectation en ligne a permis de réaliser les taux d'exécution de 85% en 2019 et de 90% en 2020. Au titre de la session 2020 de l'affectation en ligne, 10 heures après le démarrage, 300 000 élèves ont pu être affectés, s'est-il félicité, soulignant toutefois qu'environ 10% des élèves au plan national ont échappé à l'affectation en ligne dans la DREN d'Abidjan 1 qui a servi de pilote au projet d'affectation en ligne. Ce taux est de 14, soit 38%, soit 2 967 élèves sur 20 636 admis. Cette situation révèle des préjugés que font peser certains parents d'élèves sur des établissements et la fixation pour d'autres dans la perspective d'améliorer le pourcentage d'élèves affectés en ligne. Et donc ça, c'était un peu ce qui va se passer. Et nous allons terminer rapidement pour être dans le temps et donner la parole aux auditeurs. J'espère que vous en avez beaucoup à dire aujourd'hui. Et donc, le dernier sujet, c'était un sujet aussi qui est lié au concours. Et aujourd'hui, même à la vue même du sujet, pardon, des assertions, des affirmations même de la ministre Mariétou qui dit ceci. Fini les parrainages. Et elle disait, le samedi 15 mai 2021, elle a procédé au lancement des épreuves écrites du concours du CAFOP. Et durant donc cette cérémonie, elle a dit ceci, ne soyez pas crispés. Seuls ceux qui auront travaillé dur réussiront ces épreuves. Ne comptez pas sur les parrainages pour être admis. Quelle que soit votre situation sociale, tout le monde doit avoir la même chance de réussite. Bonne chance à tous. Et donc, cette parole m'a beaucoup intéressé. Ça prouve même qu'au sommet de l'État, nous sommes conscients que les concours se font par parrainage et ça ne veut rien dire d'autre
que selon la personne que vous connaissiez et la puissance politique ou bien même sociale de l'individu, vous pouvez être admis aux différents concours. C'est ce que le ministre est en train de nous dire comme ça. Et donc, c'est des choses qui ne sont vraiment pas intéressantes. Et nous souhaitons que la corruption à tous les niveaux et dans tous les concours puisse cesser. Et donc, je vais m'arrêter là pour donner la parole aux uns aux autres. Et ceux qui ont déjà appelé, je vais directement les rappeler et on pourra déjà commencer le sujet. Et donc, je vais commencer. OK. Donc, on va aller avec le second. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, effectivement. Ah oui, ça va, ça va. Donc, on est là, on vous écoute. Oui. Consiste à étudier, à informer et à donner, à partager la joie. Ceci dit, comme nous sommes dans les cas sociaux, je pense que je ne vais pas trop me prononcer sur les cas sociaux. Parce que vu que tu as développé un peu un thème là par rapport à l'inconscient notoire qui a appelé à exterminer le peuple du Nord. Et vous voyez l'éclaireur. Et il ne se passe pas de jour sans que nous ne parlions de ces corps et des gens qui ne veulent pas avoir la paix en Côte d'Ivoire. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Et moi, je voulais crier mon ras-le-bol sur les Ivoiriens qui sont en France. Et vous voyez, quand moi je regarde aujourd'hui les militants LHDP qui sont en France, mais s'il s'agit d'attaquer nos cadres en France, ils sont les premiers à le faire. Et voilà une occasion qui leur est donnée de pouvoir s'exprimer. Ils sont là, ils ne parlent pas. Et c'est vous qui allez leur dire: voilà ce que le monsieur a fait, c'est pas bon, allez-y poser plainte. Je pense que le plaignant, ça ne devait même pas venir de vous. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'étaler leur lâcheté. Comment quelqu'un qui est là-bas, vous êtes ensemble en France, et il fait une vidéo, tout le monde qui fait le tour de la toile, a appelé à exterminer les djoulas. Et vous êtes assis, vous ne parlez pas. C'est quelqu'un qui va vous dire: mais là, allez-y poser plainte. Et moi, je suis vraiment, vraiment remonté contre les Ivoiriens qui vivent à Paris. Ce n'est pas bon. Et quand il s'agit des clashs entre eux, ils sont les premiers à faire les clashs entre eux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller? Si on a besoin de vous dire ça, là, sa gueule devait être cassée en attendant de le convoquer à la police. Mais l'éclaireur, moi, je t'assure que vraiment, ça, c'est un truc qu'on ne devait même pas parler dessus. Voilà quelqu'un qui n'est pas inquiété, qui n'a pas connu la guerre en Côte d'Ivoire. Il s'assoit devant un caméra et il appelle à la haine. Et vous êtes là de façon passive, vous les regardez. Aujourd'hui, je vois, comment on l'appelle, l'autre là, lui n'a pas de dignité, amiral blindé. Quelqu'un qui fait, et aujourd'hui, tu viens le chercher pour venir monter des coups, venir demander pardon. Ce pardon-là, c'est fini. On ne fait pas ce pardon. Il faut que ceux qui sont à Paris là-bas se mettent comme on appelle, à contribution pour essayer de convoquer ce monsieur-là, poser une plainte, l'envoyer devant le commissariat pour qu'il sache que ce n'est pas comme ça les choses se passent. La Côte d'Ivoire a dépassé ça. On a vécu 10 ans de crise gâteau. Il y a eu des morts. Tu ne peux pas aller t'asseoir encore et puis appeler à la haine. Moi, vraiment, je suis contre ça. Je suis contre ça. Nulle ailleurs on peut voir ce genre de choses-là. S'ils ne sont pas conscients,
qu'ils ont des parrains en choses en Côte d'Ivoire. Et parce que vous êtes en France là-bas, c'est vrai. Même si vous êtes là, mais vous n'êtes pas en France, des Français. Vos parents sont en Côte d'Ivoire ici. Quelqu'un qui appelle à la haine et vous êtes là, vous le regardez. Maintenant, s'il s'agit d'attaquer les cadres du RDP, ils sont premiers. S'il s'agit de faire les clashs entre eux, ils sont premiers. Mais votre difficulté là, c'est quoi? Vous êtes là-bas, là, vous faites quoi? Non, mais ce que je vais si te dire. Vous ne pouvez pas la dire. Ce que je vais te dire. Hein? Si tu vois qu'on a une telle facilité oui. d'attaquer les cadres du RHDP, c'est parce qu'on se dit que ces gens-là, eux peuvent nous donner de l'argent si on les attaque. Mais nous-mêmes, notre propre dignité, la vie de nos parents, ça ne nous dit rien. Tout le monde n'a pas la même chance d'aller à Paris, tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un visa pour aller aux États-Unis. Et donc, quand vous oubliez vos parents et que vous êtes là en train de vous plaindre de façon hypocrite, je crois que ce n'est vraiment pas sérieux. Je suis remonté. Et en même temps aussi, si tu me permets. Avant que mon compte ne soit restreint par Facebook, moi j'étais l'une des personnes qui partageait plus vos posts. Parce que je voyais ça, un truc qui c'était tellement important qu'il fallait partager avec les autres. Mais je vais faire une semaine, comme je le disais là, je vais faire une semaine sans partager. Je vais faire une semaine sans partager de posts. Je ferai une semaine sans partager de poste. À quoi sert de venir écouter des informations importantes sans les partager? Mais ça veut dire que nous sommes juste là pour écouter. Oh, l'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'information soit relayée au plus grand nombre de personnes. Mais si nous, on n'arrive pas à le faire, qui viendra le faire pour lui? Et comme tu l'as dit, mais quand un corps fait net une vidéo, ils sont les premiers à partager ça, à inonder la toile avec. Et nos propres créations, nos propres thèses, les gens qui nous aident là, nous n'arrivons pas à partager, les écrits. On fait quoi? Vraiment, moi, je ne suis pas cette façon de faire là, je ne suis pas d'accord avec. Il faut que les gens arrêtent à un moment donné, il faut arrêter, il faut rester lâche et il faut aller, au combat. On ne peut pas toujours là entrer. Est-ce qu'ils savent combien de fois ça te prend pour faire ce genre de test? C'est du temps. C'est du temps. Parce que quelqu'un ne peut pas, quand vous écrivez vos tests et vous lisez les éditoriaux, on sait que c'est du travail qui a été fait. Ce n'est pas un petit travail. Donc, quand quelqu'un fait un effort, elle tourne la personne à encourager la personne. C'est pour ça, hier, quand j'ai commencé, je vous ai encouragé. Parce que le travail que vous faites là, c'est un travail qui n'est pas du tout facile. Et les gens pensent que quand tu te réveilles, tout est déjà propre. Tu te déjà propre le soir, tu attends et puis tu viens, tu donnes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, vraiment, je suis désolé, mais le père, moi, je vous présente toutes les excuses. Mais ce qui concerne cet inconscient notoire-là, il faut que les gens se mettent en contribution à attraper ce monsieur-là, casser sa gueule et l'envoyer au commissariat. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est la même chose parce que hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo de la guerre. Et la guerre, elle a traité le président de tous les noms. Il faut que ça cesse. Ceux qui sont aux États-Unis, c'est pareil. Il faut faire tout pour arrêter cette guerre-là. Et puis, c'est des gens qui sont des antipères. Là. Il faut les extirper des personnes normales. Sinon, ça ne peut pas se continuer. C'est pas normal. Donc, vraiment, le clair, c'est un ras-le-bol. Je suis tellement remonté que moi, je ne peux pas. Si je vais trop m'exprimer, je vais rentrer dans des situations et puis après, je vais m'asseoir pour les gars. Alors qu'un garçon ne doit pas poser un acte et puis après, il regrette. Donc, vraiment, je suis vraiment remonté. On va garder la mesure. Ce qui concerne les cas sociaux maintenant, voilà. Donc, il y a un cas social, chose à. Regardez un peu à Bobo, aux alentours de la mairie à Bobo. Mais je vous assure que les caniveaux qui ont été. Bien dressé. Mais aujourd'hui, si vous arrivez, vous voyez ces caniveaux-là, mais l'éclairage, ça fait pitié. Aux alentours même de la mairie. Et les femmes qui sont là, elles sont assises, elles vendent, elles n'ont pas de poubelle. Dès qu'elles finissent de tout ce qu'elles balayent comme ordure-là, elles jettent directement dans les caniveaux. Mais je vous enverrai les images, vous allez voir. Ça, c'est l'incivisme. Il faut qu'on arrête d'être, comme on appelle, des personnes sales. Il faut avoir un comportement éco-citoyen, de savoir que l'environnement où nous vivons, l'environnement doit être propre. Quand l'environnement est propre, ça évite beaucoup de maladies. Et donc, vraiment, moi, j'invite les gens à vraiment changer de comportement. Quand on parle des Ivoiriens nouveaux, c'est aussi le bon comportement. Mais on ne peut pas appeler un Ivoirien nouveau et puis avoir encore les anciennes habitudes de l'ancien Ivoirien. C'est pas normal. Et ce qui concerne aussi le concours, là, comme le ministre l'a si bien dit,
Nous sommes habitués en Côte d'Ivoire de dire que moi, je m'avais composé et j'étais à mon parrain là-bas. Je pense que c'est une nouvelle dynamique qui vient d'être insufflée par le ministre de l'Éducation nationale. Et j'ose croire que ça va aboutir à quelque chose et que les plus méritants vont maintenant admis aux différents concours, parce que ça seulement il faut le reconnaître. Quand on passe un concours, on vous demande 2 millions, alors que vous avez votre papa qui est au village, qui n'a rien. Mais si vous êtes enfant de pauvre là, ça voudrait dire quoi? Que vous n'allez jamais admis à un concours. Donc seuls les riches, les concours seront réservés aux riches. Je pense que là, il faut que ça cesse. Et que l'enfant de pauvre, qui a son papa qui a souffert pour le scolariser, ne doit pas être un frein. Le fait qu'il n'a pas payé l'argent, ça ne doit pas être un frein pour qu'il échoue un concours. Quand il a travaillé, il faut bien que le mérite lui soit reconnu. Donc vraiment, on a trop vu ça en Côte d'Ivoire. Sous le régime, les autres régimes précédents, nous avons tous critiqué, on a tous parlé. Mais je vous assure que l'éclairage, moi je suis un militant RDP convaincu. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire tout net. Les concours sont devenus plus chers sous ce régime de notre président. Parce que les gens cachent la vérité au président. Mais un simple concours d'instituteur, on va venir te demander 3 millions. Tu es un enfant de pauvre, tu enlèves les 3 millions là-haut. Tu les enlèves où? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est fait de sorte que les enfants de pauvres puissent rester sans rien gagner. Une société ne se construit pas avec une catégorie de personnes. Une société se construit avec toutes les catégories, avec toutes les couches sociales. Et quand c'est comme ça, vous voyez que la société va bien. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Okay. Concernant aussi le glissement des terrains, vous dites que la saison des pluies s'annonce, il faut vraiment trouver des solutions à ce problème-là pour éviter qu'on vienne compter encore les morts. Voilà, parce que les gens aussi, comme vous l'avez si bien dit dans l'éditorial, quand on parle, on nous dit oui, c'est parce qu'on n'a pas les moyens que nous habitons là. C'est vrai, on peut ne pas avoir les moyens et puis habiter dans un coin un peu plus décent pour éviter les morts. Parce que tu imagines, il y a des gens aussi, aujourd'hui, l'État a fait tout pour leur donner de l'argent, allez-y vous recaser ailleurs. Mais je vous assure que les clairs, ces mêmes personnes-là sont allées se loger encore dans des bassins d'orage. Effectivement. Et comme ça, quand ça arrive, on ne peut plus rester là en train de compter les morts. Donc vraiment, à chacun de jouer son rôle. Parce que la société est régie par des règles. Même le monde animal que nous voyons là, le monde animal a ses principes et a ses règles. Donc chacun doit se mettre à sa place pour éviter qu'on vienne compter encore les morts. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Il faut que chacun s'implique pour qu'on ne soit plus en train de compter les morts. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, le clair, c'était un peu ça. Il n'y a pas de Donc, problème. Les concours et puis, comme on l'appelle, les saisons pluvieuses et puis ce inconscient notoire, c'est les trois thèmes-là. En tout cas, je voulais un peu parler de ça. Effectivement, je crois que vous avez bien brossé les sujets. C'est nous qui vous disons. Et après, je vais, dès que vous finissez l'émission, je vais vous appeler à l'inbox. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vraiment, voilà, merci beaucoup. C'était moral, Paul. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous avez été bien compris et vous passez une très bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci. Et donc, on va appeler la prochaine personne. Mais il y a notre sœur Anne-Marie Mbesso qui disait, mais quand Don Giovanni a dit les mêmes choses aux États-Unis, qu'est-ce que les militants du RHDP ont posé? Moi, je ne sais pas ce que les militants du RHDP ont fait, mais moi, je sais ce que moi, éclaireur, j'ai fait. Et ce que je continue de faire, vous verrez les effets. Et ça sera plus spectaculaire que ce que vous n'imaginez. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que Don Giovanni, même si vous le payez aujourd'hui, avec des millions de dollars, il ne peut plus se permettre de dire les mêmes choses parce qu'il y a une communauté plus responsable que le RHDP des États-Unis. Il y a une communauté plus responsable que les Ivoiriens des États-Unis. Elle s'appelle la communauté des Burkinabés et cette communauté-là a pris ses responsabilités et a régulièrement posé une plainte dans les heures qui suivaient. Et vous voyez que l'individu était obligé de replier sa queue entre ses jambes et de revenir à l'ordre. Et quand je dis « nous », ça ne veut pas dire forcément les individus que nous sommes. Ça veut dire qu'aux États-Unis, les gens sont conscients de leurs droits. Aux États-Unis, vous ne verrez pas quelqu'un qui demande la pitié de l'autre. Et chacun sait son droit et chacun connaît ses devoirs. Et quand tu marches sur les droits de quelqu'un,
la personne va s'imposer à vous. C'est de ça qu'il s'agit. En France, les gens parlent beaucoup pour ne rien faire. Ça aussi, c'est une réalité que nous tous nous savons. Bonsoir, madame. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui. Comment... bonsoir, éclaireur. Oui, comment allez-vous? C'est la lionne du Wolofa. Bonsoir, Adipa. Effectivement, effectivement. Je salue tous les auditeurs. Oui, oui. Ça fait un moment que je ne suis pas venue sur, sur ton direct, là. Donc, ce soir, je me suis connectée et puis j'ai vu que les sujets, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je dirais deux sujets, qui, enfin, principalement, qui me tiennent à cœur. Le premier sujet, c'est par rapport justement à tous ces morts de la route qu'on a connus ces derniers temps en Côte d'Ivoire. Moi, je me pose aujourd'hui la question. C'est vrai qu'il y a des inquiétudes, les gens se posent plein de questions. Et si tous ces morts-là, c'était la conséquence directe de ce décret-là sur l'importation des véhicules de moins de 5 ans? Parce que pour nous qui avons travaillé dans ce domaine, pour nous qui connaissons plus ou moins ce domaine, ce qui me revient comme, enfin, comme retour des spécialistes dans ce domaine en Côte d'Ivoire, c'est qu'avec ce décret, c'est vrai qu'il a été pris il y a quelques années, mais avec ce décret aujourd'hui, ils sont carrément dans l'impossibilité de renouveler leur parc automobile parce que n'ayant pas assez de moyens. On a pris le décret en pensant que ça allait faire évoluer les choses. Et bizarrement, ça fait l'effet contraire. Aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est casse, tout ce qui est vente de véhicules aujourd'hui, tout ce qui est importation de véhicules en Côte d'Ivoire, les gens sont dans l'impossibilité de renouveler leur BACA avec leur bus de transport en commun. Okay. Ils sont obligés de rapiécer, de raccommoder les anciens bus qu'ils ont, parce que ça ne sert à rien de mettre des mesures d'accompagnement concernant à la bonne conduite au volant quand l'engin même qu'on conduit est dans un piteux état. Est-ce que vous, si on doit faire des réformes... Est-ce que vous me permettez de vous dire quelque chose avant que vous ne continuiez? Oui. J'aimerais vous signaler que régulièrement, le gouvernement fait un renouvellement des parcs auto de sorte que toutes les parties de la couche des transporteurs est capable aujourd'hui de s'offrir, je dirais même, un véhicule. Et si vous me permettez, j'ai fait une analyse, j'ai fait une enquête, je peux vous la jouer en direct. Et vous allez écouter aussi un chauffeur de taxi à qui j'ai dit... Voilà. Donc, peut-être vous pouvez continuer et dès que j'aurai vu la vidéo, je vais vous la faire écouter. Et peut-être que ça va vous aider aussi dans votre analyse. Voilà, parce que moi, ce qui m'est revenu, en fait, il y a eu... je crois que des offres au niveau de ces véhicules, de ces taxis rouges à Abidjan, mais ça ne fait pas l'unanimité parce que les conditions d'accès à ces véhicules-là pour rénover les parcs, c'est pas facile. Non, mais les gens, ne plaît pas à pas mal. Ça, en fait, c'est pas avantageux pour pas mal de personnes que j'ai dû rencontrer, même quand j'étais à Abidjan. Donc, concernant les batailles hautes, enfin, moi je parle des particuliers, des privés. Donc, ils sont obligés. Faites un peu un tour à la casse. Essayez de voir un peu tous ceux qui sont à la casse. Je pense que eux, ils sont dans le domaine, ils pourront vous donner un peu leur avis sur le terrain. Mais vous savez que. Donc, les gens sont obligés de. Vous savez que généralement, les gens au pays ne disent pas totalement la vérité. Ils essayent de dire les choses sous un sens qui est totalement différent de la réalité. Parce que le bon sens voudrait que le gouvernement qui demande que le parc automobilier soit renouvelé, qu'il mette directement une mesure d'accompagnement. Et je peux vous assurer qu'en toute sincérité, moi j'ai pu voir des dizaines de véhicules qui étaient là, qui à la limite personne ne venait les prendre. Et parce que les gens ne veulent pas rentrer dans le formel. Les gens veulent demeurer dans l'informel. Je ne sais pas si vous comprenez. La majeure partie des gens... Je suis d'accord. Ouais. C'est les conditions d'accès, en fait, qui font fuir les gens. Non, il y a ça. Les conditions d'accès, parce que... vous à moi éclairé, est-ce que vous pensez qu'un véhicule de moins de 5 ans est accessible à tout le monde aujourd'hui avec le pouvoir d'achat? Parce que parlons aussi, soyons réalistes. Au Ghana, on a mis à 10 ans. Au Bénin, 10 ans. Nigeria, 10 ans. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, quand même, fait partie des pays du tiers-monde. C'est un pays en Corse qui n'est pas encore développé. Même en Europe, même aux États-Unis, on a des véhicules en bon état. Parce que ceux qui ont fait l'expertise, l'étude du marché concernant pour l'application de ce décret, ne sont pas allés en profondeur. Enfin, pour moi, un véhicule, pour moi, le.
la pollution d'un véhicule n'est pas déterminée par son nombre d'années. On a vu des véhicules de 10 ans qui sont moins roulés, qui ne sont pas polluants. C'est plutôt le nombre de kilomètres. Donc, avec ça, là, moi, je pense que ce décret-là est venu encore handicaper. Parce que pour moi, c'est le paradoxe. Quand on dit et que, enfin, on renouvelle le parc auto, on met un décret, il devait avoir moins d'accidents de la route. Mais c'est paradoxal. Aujourd'hui, ils prennent des mesures concernant les gendarmes qui vont aller superviser tous les examens et tout. Mais même si on fait tout ça et que l'engin que le chauffeur roule est en piteux état, on n'atteindra pas les objectifs, mon frère éclaireur, éclaireur pour vérité. On ne va pas atteindre, parce que c'est, moi, c'est un tout. Tout doit être, tout doit être modifié, tout doit être adapté en fonction de nos réalités. Si, avant le décret de 5 ans, le véhicule a été acquis, ça fait pratiquement combien d'années que ce décret est passé? Et qu'aujourd'hui, ce véhicule est dans un état piteux, et que le chauffeur, le propriétaire n'arrive pas à renouveler, mais il va rapiécer justement ce camion piteux-là, et ça va continuer à faire du tétanos, continuer à tuer les gens sur la route, quand bien même il est efficace à rouler, il a eu son permis, il a fait des tests, et enfin, dans la théorie, avec la pratique, ça va, mais l'engin qui roule là, c'est pas un engin qui est conforme pour protéger la population. Donc, si l'État veut faire des réformes, c'est vrai qu'au niveau des examens, au niveau de l'OSER, tout ça, je suis d'accord. Mais il fera tout ça, au final, ce chauffeur va se retrouver dans un véhicule qui doit être conforme en bon état. Et c'est ce qui bloque parce que les gens n'ont pas d'argent. Un véhicule de moins de 5 ans, c'est pratiquement un véhicule neuf. Donc si on veut faire des réformes, il faudrait que ce soit à tous les niveaux. C'est un peu ça ma préoccupation. Il n'y a pas de problème. Je crois que ce que vous avez évoqué, pour en ajouter ou bien pour essayer d'éclairer sur certains points, moi, je trouve que la corporation des transporteurs, le sérieux, il manque de façon cruciale. Et je m'explique. Voilà des personnes qui ont en main notre vie tous les jours, parce que tout le monde est obligé de se déplacer. Mais voilà une corporation qui est à la merci des soi-disant syndicats qui dépouillent la population chaque jour. Et ceux-mêmes qui sont les représentants de ces corporations n'ont jamais pu trouver un mécanisme pour faire cesser ça. Je ne sais pas si vous conviendrez avec moi. Non, mais vous savez, je m'expliquais, y a une fédération qui vient d'être créée pour non, les exportateurs. Si vous ne m'écoutez pas en entièreté. Donc, il y a M. Okay, Konaté qui est là. M. Konaté a toujours voulu rencontrer le ministre Amadou Koné, mais il n'a jamais été disponible pour rencontrer la fédération des importateurs de véhicules en Côte d'Ivoire. Moi, je suis membre actif de cette fédération-là. Mais le ministre Amadou Koné, le ministre des Transports, il n'a jamais voulu rencontrer cette fédération. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si, on ne veut pas rencontrer les acteurs de ce domaine-là? Il y a même un groupe WhatsApp qui est là, et moi je suis sur ce groupe-là. Ils font mains et pieds pour rencontrer le ministre Amadou Koné, pour lui poser leur doléance sur la table. Mais monsieur le ministre Amadou Koné a toujours esquivé. Il n'a jamais voulu rencontrer justement cette fédération. Sinon, il y a une fédération qui existe. Non, mais je ne sais pas. Je qui sais avons pas, essayé d'être dans ce domaine. La question mais, que j'avais posée. Il n'a jamais gagné le compte, il n'a jamais voulu rencontrer le ministre. Le ministre a toujours esquivé leur demande avec leur doléance. Ok. Est-ce que parce que le ministre a excusé les demandes, est-ce qu'aujourd'hui le phénomène des nyambros et le désordre qui existe dans le transport, est-ce que le ministre seul peut tout régler? C'est une question que je vous pose. Parce qu'ils ont fait eux d'abord, ce qu'ils veulent faire, c'est de faire une approche avec le ministre concerné, le ministre de tutelle, non, mais pour qu'ensemble, si vous me permettez trouver quelque chose. Si vous me permettez d'aller dans mes idées, vous aurez peut-être compris. Vu qu'il y a un ministre de tutelle qui est là, donc je pense qu'en allant, c'est un travail d'ensemble qui doit se faire pour réglementer justement ce secteur. Mais si même la fédération est dans l'incapacité de rencontrer son ministre de tutelle, moi je pense que cette fédération, elle est livrée à elle-même au bout du compte. Donc pour moi, j'estime que le ministre Amadou Koné doit faire des efforts pour rencontrer justement cette fédération-là. Au sein de cette fédération, il y a les juristes qui sont là, il y a les avocats qui sont, qui sont bien installés au sein de cette fédération, il y a des spécialistes, il y a même le président de la fédération, M. Konaté, avec lequel j'échange régulièrement.
Mais c'est toujours, ils sont toujours heurtés à un mur en béton. C'est toujours le statu quo. Le ministre Amadou Koné ne veut pas les rencontrer à ce jour. Ça fait combien d'années qu'il vacille comme ça? Ça Ok, fait près de 1 an et demi, 2 ans qu'il demande à le rencontrer, mais ça n'a jamais été fait. je crois que vous avez eu le temps et vous ne m'avez pas permis de m'expliquer. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce Oui. principe-là. Voilà. Et donc, je crois qu'on va vous dire merci parce que ça fait 10 minutes. Si vous m'aviez permis de donner mes idées, D'accord. ça aurait pu quand même nous aider. Et donc, peut-être que vous pourriez revenir D'accord. un peu après et on va aussi essayer de prendre les autres personnes. C'est nous qui vous disons merci et votre préoccupation elle a été prise en compte. OK, bonne Ok. soirée. Vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Chers auditeurs, c'est ce qui est important aussi dans un débat. Quand vous venez pour étaler une idée, quand vous m'avertissez que vous Allô? allez établir, bonsoir monsieur, c'est un peu plus intéressant pour moi, vous restez. Mais quand on établit Oui, un je vois. dialogue, vous ne quittez pas. Et qu'on ne permet pas à l'autre côté d'élucider ses pensées, ça devient un monologue et ça devient difficile. Et donc, quand c'est comme ça casse la dynamique. Et donc, il y a eu beaucoup d'enquêtes. Et la majorité des enquêtes ont prouvé que c'est l'incivisme qui est la base des accidents en Côte d'Ivoire. Les permis de conduire sont acquis dans de mauvaises conditions. Et l'inconscience, même sur les routes, est un phénomène qui est su de tout le monde aujourd'hui. Je ne dis pas que ce que la dame a dit ne soit pas des facteurs, mais on peut même faire un accident dans le véhicule le plus neuf si l'incivisme est la seule chose la main qui domine. Aujourd'hui, on aimerait tous voir le secteur assaini. Ce qu'elle a dit, je ne pourrais pas contester parce que je n'ai pas ses preuves là en main. Certainement qu'elle sait de quoi elle parle et je respecte son avis. Mais je dis qu'au lieu de parler du ministre, si on avait assaini, je veux dire les transporteurs avaient assaini même d'abord le transport. Peut-être que c'est ce manque de respect et ce désordre-là qui fait que les autorités ne les prennent pas au sérieux. Et ça aussi, les transporteurs, vous nous entendez? Et il y a des avis contraires. Et moi, j'ai eu à mener une enquête le 14 mai 2021. Après, je vous la ferai écouter. Et vous pourrez vous faire aussi vos opinions. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous? Oh, je vais superbement bien. Je suis à de même bon. Donc, ce soir, je vous appelle d'abord. Je salue toute la classe de gens. Et je salue déjà le fait d'exprimer vos ras-le-bol. C'est tout à fait normal qu'on fasse des enquêtes. On laisse tout ce qu'on a à faire pour se consacrer à sa communauté. Et en retour, on ne reçoit pas cette monnaie. Franchement, c'est un déçoit et puis c'est frustrant. Là, moi, au nom de toute la classe, franchement, moi, je présente les excuses déjà à l'éclaireur et à tout le monde. Vraiment, la leçon, elle est rentrée. Franchement, on va s'améliorer. Vous n'êtes pas qu'on soit primé, on soit vraiment sévré de tout ce qu'on a comme relation, comme information. Déjà, acceptez déjà le pardon que je vous avance déjà avant que j'accède à d'autres interventions. Non, je Donc, crois que ça, on va tomber, pardon. on tombe dans le vif du sujet. Ce n'est pas la première fois et je crois qu'on peut directement aller et peut-être après en parler de ça. Je ne sais pas s'il y Oui. a d'autres préoccupations. Voilà. Mais je crois que dans la vie, quand on veut évoluer, il faut évoluer sur la base de la sincérité. C'est vraiment très important. Et donc, J'apprécie franchement votre côté sincère, en fait. Mais en outre aussi, il ne faut pas taper tout le monde du même bâton. Parce que nous, on fait Non, des efforts mais partagés. Parce que justement, moi, c'est tout le monde, personnellement, justement, je peux c'est vous tout le apporter monde des que je tape, et compléments. vous-même y compris. Parce Oui. que, en toute sincérité, combien de fois vous avez partagé un poste? Si vous Moi, voulez, oui. personnellement, moi. Oui, c'est un exemple que je demande. Moi, je vais vous envoyer toutes les captures d'écran tout de suite Ok. Donc, ça après veut dire que peut-être vous êtes parmi l'audition. les Il n'y rats, a pas une. ça veut dire que vous êtes J'ai pas parmi les compris. 3 personnes qui partagent le poste sur les milliers de personnes qui nous suivent chaque jour, et ça, c'est une exception Moi, heureuse. personnellement, je ne rentre pas dans les autres, tout ça. Moi, je vais vous envoyer les captures d'écran à chaque fois que je partage. Et j'ai des témoins qui sont même dans la classe Il n'y a qui vont pas vous de témoigner. Hein. problème. Mais nous, Il y a on fait toujours les des efforts. exceptions. On fait les efforts, mais il ne faut pas taper tout le monde du même bâton, en fait. Et là, moi, je présente mes excuses au compte de tout le monde, Il en n'y a fait. pas de problème. Maintenant, on va aller au vif du sujet Il n'y a rapidement. pas de Moi, je voulais problème. intervenir sur deux cas. Premièrement, pour les importations des voitures. Et puis, bon, concernant le jeune encore qui a fait une déroute. Donc, pour la voiture, moi, j'ai une étape que la dame a élucidée. Elle a un peu raison sur ce côté-là, en fait.
Parce que les voitures qui sont à Abidjan, on va se dire la vérité, c'est les voitures qui sont recyclées. À chaque fois qu'on va à la visite, il faut recycler la voiture. Mais à chaque fois que tu recycles un véhicule, il ne peut pas être comme un véhicule qui est vraiment en bas dans les normes. Ça fait un. De deux, aujourd'hui, demander que le vieux a réparé notre route aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on va se mentir, pas qu'on se dise la vérité. Demander que les routes sont aménagées par le vieux, de passage, on le tire au chapeau, mais ça te donne à rouler comme tu veux et à tomber au vert. Vu qu'on est dans un cas où les gens ne sont pas vraiment encadrés, vous avez numéro pour les syndicats, tout ça. Donc du coup, les gens ils roulent comme ils veulent, avec des véhicules recyclés. Moi je pensais qu'il faudra vraiment tendre un peu la main pour qu'on puisse avoir un véhicule de moins de peut-être 10 ans. Ça doit essayer d'aider. Parce que là, ça ne va pas. Quand ça ne va pas, trop d'accidents, mais il faut voir qu'est-ce qui pose tout ça. Si on peut vraiment essayer de nous comprendre, pour qu'on puisse emmener des véhicules moins de moins de 10 ans, moi je crois que moi, ma proposition, je crois que ça pourra au moins diminuer les accidents. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. Donc, vous passez au deuxième sujet. Au deuxième sujet. C'est concernant le jeune qui a fait la déroute, tout ça, en insultant les gens du Nord, tout ça. Moi, ce que je voulais dire, il y a un auditeur qui a essayé de parler. En fait, il faut qu'ils comprennent que la France, déjà, c'est un pays où il y a plus de caméras, c'est un pays qui est tellement suivi. On ne peut pas se lever faire des choses comme étant à Abidjan ou quelque part. Mais moi, je vous dis, regardez bien la vidéo. Si le mec n'a pas été inquiété, il ne peut pas se lever faire des pardons comme ça en s'induisant lui-même. Bon, je vous informe, on ne se connaît pas assez, mais on ne peut pas se mettre sur les réseaux, chacun comme ça, essayer de dévoiler ces trucs qu'il fait. Il y a ces trucs-là qu'il faut prendre en compte. Si vous remarquez, depuis que les capteurs HDB ont été attaqués, de vous à moi, ça fait combien de temps vous n'avez pas attendu qu'il y a eu des attaques sur les capteurs HDB? Ça vient d'un travail aussi. On ne va pas se mettre là à chaque fois pour vous dire, bon, voilà le travail que nous avons fait en France ici, voilà ce qui se passe. Il faut comprendre qu'il y a une nette amélioration. Non, mais cette amélioration, elle vient d'où? Je n'ai pas compris. Cette amélioration vient d'où? Ça vient déjà de ce qui est passé, parce qu'on avait le ras-le-bol. Donc, on a fait une association, quand je ne pourrais pas trop déclarer ici, en direct, en ligne, comme je pourrais vous parler. Et on a fait une association pour pouvoir défendre nos cadres qui viennent ici. Et si vous remarquez, ça fait combien de mois qu'il n'y a pas eu d'attaque RHDP? Mais si vous avez cette association-là, si vous avez cette association, c'est une proposition que je vous fais. Est-ce que c'est un interdit que de poser plainte contre quelqu'un qui incite à la haine en France? Alors que le nom de la personne est connu et l'élément, la pièce à conviction, elle est à disposition de tout le monde. Est-ce que vous, les militants, est-ce que c'est ces choses impossibles pour vous de pouvoir poser plainte? C'est une question que je pose sans rater dans la jugement. C'est des trucs qui sont en train de se faire. Si vous voyez que le mec, le monsieur, déjà à 48 heures, il vient pour demander pardon, mais c'est que derrière, il y a un travail qui a été fait. Si au moins il s'excusait pas, essayez de comprendre qu'il n'y a pas eu de travail, mais non. Non, mais c'est une fausse excuse. Et j'aimerais que vous rendiez compte de cela. C'est une fausse excuse. Et c'est pour mettre de la poudre aux yeux des gens. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi sur ça. Ce que je vais vous proposer. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura des événements, moi personnellement, je vais vous avoir une box de ce qui se passe. Là, comme ça, vous comprenez que tout le monde n'est pas pareil en France ici. C'est vrai. Ici, il y a des grandes gueules en France. Ça, je vous le dis. Il y a des grandes gueules en France. Il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne font pas. Mais par contre, ne vous inquiétez pas qu'il y ait des gens qui sont muets, mais qui agissent plus que les gens qui ne disent pas. Et ça, je vous donne des preuves. Je vous donne des preuves. Et vous comprenez que derrière, vraiment, il y a un travail aussi qui est en train de se faire. Il n'y a pas de problème. Selon cette histoire qui s'est passée, là, je vous le dis, lui là, le monsieur là, je ne crois pas que lui, même dans ses rêves les plus fous, il va venir se mettre là pour parler de ce genre de trucs. Je ne pense pas que ça va se répéter. Mais vous savez, une fois qu'un crime est commis, la question n'est pas de savoir si la personne aura l'occasion d'en commettre. La question est de pouvoir remettre la personne dans le cadre social. Parce qu'on ne vit pas comme... On ne vit pas il faut comme... le réprimander. Voilà. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas dans une anticipation. Nous sommes en train de dire que dans la société, quand un individu viole les principes de la société, la personne même s'attend à des sanctions et à une réaction de la masse.
Et cette masse-là, si on reste silencieuse, ou bien on reste encore d'attendre que les mêmes choses se répètent, ne soyons pas surpris qu'on ait pire qui puisse advenir dans le temps à venir. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette occasion-là doit permettre de décourager et les militants doivent se lever comme une seule personne. Toutes les personnes, les organisations des droits de l'homme. On doit même déposer ces pièces à conviction et essayer de monter des dossiers pour mettre ces personnes-là en prison et leur donner une leçon définitivement. On ne peut pas continuer dans un pays. Parce que vous voyez, monsieur, chaque fois si je dois vous insulter à cause de votre origine, comment vous vous sentirez? C'est frustrant. Et nous sommes des pères de famille. Quand on nous insulte nos origines devant nos enfants, on perd toute notre humanité. Et cela a été maintenant fait depuis plus de 30 ans dans l'existence de la Côte d'Ivoire qui n'a que 60 ans. Et à un certain moment, il faut que les uns et les uns puissent arrêter avec les arguments. Il y a une de nos sœurs qui disait qu'il y a des gens qui sont maîtres chiens à Paris et qu'ils ne peuvent pas laisser. Voilà de tels arguments qu'il ne faut pas tenir. Et notre sœur Anne-Marie Mbesso, sincèrement, là où j'en suis, vos arguments ne tiennent pas. Ça, c'est mon avis à moi. Et sincèrement, c'est parce que vous êtes une mère que je n'allais pas vous bloquer aujourd'hui. Sinon, sincèrement, c'est la seule chose qui me passe à la tête actuellement. Sincèrement, c'est la seule chose qui me passe dans la tête actuellement, vous bloquer carrément, parce que votre argument, il ne tient absolument sur rien du tout. Et l'être humain peut tout perdre, mais il faut lui concéder sa dignité, c'est vraiment important. Mais nous, les militants du RHDP, on trouve toujours des arguments, et comme vous venez de le dire, ça ne se reproduira plus. Mais quelle garantie vous avez que ça ne se reproduira plus? Parce que ça ne sera peut-être pas la même personne, mais ça sera quelqu'un d'autre qui dirait ça pire que lui. Et c'est ça le problème. Les jours à venir, C'est ça le problème, c'est ça le problème, c'est ça le problème avec l'histoire de l'humanité. dans les jours à venir. Souvent, quand on veut trop faire d'espace aux criminels, voyez-vous, quand Hitler commençait ses méthodes, les gens se sont dit qu'il n'irait pas loin. Mais la fin, tout le monde la connaît. Et donc, à force de vouloir faire de l'espace aux criminels, sachez que l'attitude de cet individu, s'il a été pardonné, quelqu'un d'autre sortira dans les semaines à venir. Si vous remarquez très bien, moi je maîtrise la psychologie des gars. Allez sur la page et remarquez un jour avant que ce monsieur-là dise ça, j'ai mis un message. Un jour avant, un message du même genre, comme pour les avertir, mais non pas arrêter. Je ne suis pas un magicien. Et donc c'est pour vous dire que si on veut toujours s'excuser et trouver des opportunités. Voilà Damana Picasso aujourd'hui qui vient, qui est en train. Est-ce que vous savez ce que Damana Picasso et Kone Katina sont en train de faire? Ils sont en train de tester le terrain, de créer des mouvements d'insurrection à travers le pays. C'est ce qu'ils veulent commencer à travers les comités de mobilisation qu'ils sont en train de faire actuellement. Et donc, quand on est en face des individus incorrigibles, des individus qui ne peuvent pas, qui ont des difficultés même à s'accorder avec les règles sociales, je crois que la meilleure méthode, c'est de leur appliquer implacablement la loi et de quitter dans les excuses. Moi, c'est vraiment ça que je pense qui soit la meilleure, en tout cas. Je crois qu'on n'avait pas quelqu'un comme vous. Déjà, on avait besoin de quelqu'un qui pourrait nous calmer de temps en temps. Et Dieu merci, on a eu l'éclaireur. Franchement, comme je vous le dis, on avait vraiment besoin de quelqu'un comme vous le faites. Merci à vous de déjà Il n'y a pas accepter de dire nos pardons et nos excuses. Il n'y a pas de problème. Et à chaque fois qu'il y a ce genre d'organisation, nous, ça nous éduque en fait. Après, aller face au but en fait. Mais moi, je vous donne personnellement, vous connaissez quand même en inbox, moi, je vous donne déjà les paroles qu'il n'y aura pas ce genre de truc-là dans ces temps à venir. Non, mais c'est que vous Parce n'avez que pas de je sais garantie. Vous n'avez pas de garantie. C'est ça la problématique. Je vous ai dit déjà qu'il vous donnait des garanties. Ça, je vous ai déjà Ok, dit. il n'y a pas de problème. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans les jours à venir. Il n'y a pas de Donc problème. Là, tout de suite, tout ça, c'est un espace public. On ne pourra pas s'étaler là comme ça ici. Il n'y a pas de problème. Mais je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Au cas où il y a des choses, je vous viendrai inbox pour vous donner de temps en temps des informations. Il n'y a pas de problème. Ça sera Mais aussi un vois, plaisir. Merci à vous, merci à l'éclaireur, Il n'y a merci pas au de président. problème. Parce qu'on n'avait pas quelqu'un pour nous galvaniser comme ça de temps en temps. Mais nous aussi, ça nous remet en cause. C'est vrai qu'on Effectivement. fait des erreurs. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour nous parler, pour nous, franchement, pour nous fouetter de temps en temps, nous, on reste toujours dans notre cuillère. Mais franchement, ce que vous faites, c'est un travail vraiment hors norme, pas trop parler. Et déjà, il faut accepter nos pardons. On a compris. Tout ce que vous avez dit, les partages, tout ça, ça va changer. Ça, je vous le Il dis. n'y a pas de problème. Il n'y a pas Donc, de problème. Acceptez nos pardons. Et puis, ben, voilà, on va se trouver une base. Et voilà, après ça, vous allez nous juger un peu. Il n'y a pas de problème. Ça a été un plaisir. Et C'est un vous? plaisir partagé.
partagé. Et vous passez une très bonne soirée du côté du Paris. Pareillement à vous. Ok, merci beaucoup. De longue vie merci. à vous. Ok, à De vous longue vie à pareillement. Pierre. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ok, merci Au beaucoup. revoir. Bonsoir, monsieur le Clair. Bonsoir, monsieur Kofi, comment allez-vous? Bien, je vais bien. Et Ah, vous? oui, ça va très bien. Ça va. Non, Oui, là, tu nous as beaucoup insulté, mais c'est pas grave. mais je n'ai pas insulté, je n'ai fait que dire la vérité. D'accord, regarde, Parce moi, que j'ai nous partagé sommes les des premiers. postes, même aujourd'hui, j'ai partagé Non. peut-être 3 postes, j'ai partagé aujourd'hui même. C'est pas tout le monde. Moi, il y a des fois, je partage des postes. Je te jure que moi, je partage souvent des postes. Ok, il n'y a pas de problème. On vous écoute. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je vois aussi que souvent, vous nous accusez, nous, les militants des RHDP, beaucoup. Alors que, regarde, vous n'accusez jamais le président. Ah, ça a commencé par lui d'abord. Quand M. Petit avait insulté les militants des RHDP, des Maliens et Abogo, il a fait quoi? Il était assis à Abidjan là-bas, il n'a pas pris une décision. Quand Linda Kouassi Moïse a commencé à insulter les Gulen, donc allé chez eux, c'est vrai, c'était dans la campagne, mais quand la campagne est venue, pourquoi ils n'ont pas beaucoup dit rien? Mais vous voulez que je quand réponde? Ramana Picasso est venu, Vous il a voulez fait que ce truc. Je réponde? Vous allez me laisser pas. Ok, ok. Oui, laisse-moi parler. Puisque c'est des questions que vous Et posez, je Ramana vais vous Picasso a répondre, mais commencé. bon, vous pouvez parler. Ça n'a rien. Ils ont fait quoi? Ils ont juste appelé pour nous parler. Ils l'ont laissé partir à la maison. Quand le monsieur Yuri Jordan a fait ça à Paris, en Angleterre, alors que tout le monde dit qu'il est sans papier là-bas, pourquoi on n'a pas la patrie? Rien. Mais le monsieur, lui, il va faire pareil tout le temps. Il va faire pareil tous les jours. Les gens, il y aura des gens qui vont faire pire que celui qui a fait. Si le président même ne fait rien, il a bien le petit a fait ça, il n'a rien dit. Yuri Jordan a fait, il n'a pas à faire. Tout le monde le fait, donc lui aussi, il va faire pareil. Après moi, la dernière fois, je vous ai dit sur le président, écoute, vous m'avez dit oui. Mais s'il écoute souvent, nous dirait qu'il ne dit rien. Les gens vont faire toujours la même chose. Moi, parce que moi, je vous ai dit la dernière fois, les gens sont prêts à aller voter les RDP tous les jours. Mais okay. sache que personne ne va sortir encore pour donner sa poitrine pour aller ensemble. Parce que dès le départ, tout le monde a donné sa poitrine. Beaucoup d'hommes ont été tués. Et lui, ici, n'était pas tout le temps avec les opposants et il s'en fout. Moi, c'est ce que j'ai juste. Mais moi, aujourd'hui, même si demain, j'ai voté à l'Assemblée depuis le 3 fois. Si demain, il faut le voter, moi, je vais le voter. Mais jamais je vais sortir pour marcher. Pour moi, je pense que toujours, il fait des deals pour les opposants et puis ça sert à rien. Peut-être des gens vont. D'autres vont m'écouter. Moi, je dis n'importe quoi. Mais moi, c'est ce que je pense. Je suis en train de vous dire. Après, vous pouvez me contredire ou c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est votre avis que vous donnez. Seulement, vous avez posé une série de questions, c'était plusieurs questions, et il aurait été bien que vous puissiez me demander qu'est-ce que le président a fait. Je vous répondais ainsi. Mais je prends la seule question que j'ai répondu. Vous avez demandé qu'est-ce que le président a fait pour que la situation puisse changer. À la réponse, je vais vous dire que le président a tout fait. Parce que la première chose qu'il faut retenir, Monsieur Kofi, si le président n'était pas un homme de vision et de stratégie, sortir d'une guerre et pouvoir maintenir la calme dans laquelle nos parents vivent aujourd'hui en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, si le président n'avait pas une vision et une méthodologie, je vous dis, ne serait-ce que les règlements des comptes dans les quartiers, beaucoup de nos parents seraient morts. Est-ce que ça c'est faux ou mais c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, non, si vous me permettez, si vous avez répondu que c'est vrai, je vais continuer. La deuxième chose, est-ce que le président de la République, il est élu pour satisfaire les militants du RHDP ou bien une partie de la population? C'est une question que je pose. Il est élu pour satisfaire tous les Ivoiriens. Ok. Puisqu'il est élu pour satisfaire tous les Ivoiriens, il faut savoir que dans tous les Ivoiriens, il y a des bons comme des mauvais. Et donc le chef de l'État, même si nous voulions aujourd'hui, le chef de l'État ne peut pas mettre tous les opposants de la Côte d'Ivoire en prison. Et ce que les gens oublient, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les réalités ne sont pas comme en 1960 ou bien dans les années 80, où on pouvait baïonner tout le monde. Monsieur Leclerc,
États-Unis et Marichal l'a rapatrié. Vous avez dit que oui, ce monsieur était sans papier. Mais Yuri Jordan, il paraît tout le monde dit qu'il a en Angleterre, de toute façon, il était mort sur lui. Mais il n'a pas le papier, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Non, mais... Vous rapatriez, vous payez en Côte d'Ivoire. Mais vous savez que les pays. Le temps, il va aussi pour vous dire plainte contre lui. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez quelque chose derrière vous. Vous avez un. À Paris, jamais. Mais les Ivoiriens qui sont à Paris, jamais quelqu'un va se lever pour aller manifester contre les gens là. Sur le temps ivoirien même, il y a un ministère de l'Intérieur qui ne fait rien. Moi, je n'ai jamais vu un ministère de l'Intérieur qui a posé plainte contre un corps. Pourquoi les gens ont posé plainte contre la vie? Il y a beaucoup de bruit derrière vous. Je ne sais pas si vous pouvez trouver une solution à ça. Ah, peut-être que c'est. Voilà, ça va. Vous avez un appareil qui était allumé? Oui, j'ai... Et donc, peut-être à l'avenir, chers auditeurs, faites beaucoup attention. Moi, l'éclaireur, je prends toutes les conditions pour essayer que vous m'entendiez correctement. Et quand on ne reçoit pas la même chose, je vais couper directement. En toute sincérité, je vais dire ça. Je vais couper directement les auditeurs qui ne prendront pas les dispositions pour qu'ils soient entendus correctement. Parce que quand c'est comme ça, ça gêne même les millions de personnes qui nous suivent et ça met mal à l'aise. Je suis désolé. Voilà. Et à la question que vous avez posée, on y faut, la comparaison n'est pas toujours raison. Est-ce que le Sénégal a les mêmes traités et les mêmes intérêts que la Côte d'Ivoire vis-à-vis des États-Unis? Voilà, la question reste posée. Non, la question ne reste pas posée. Les États ont des intérêts divergents. Est-ce que vous savez aussi le pourquoi du fait que les États-Unis ont extradé cette personne-là? Est-ce que vous savez le pourquoi? Parce qu'une fois à l'appel, quand on vous a posé la même question, vous avez répondu à la personne que le monsieur il était sans papier. Non. C'est pour ça. Non. S'il vous plaît, si vous me permettez, je n'ai jamais. S'il vous plaît. Oh my God. Je n'ai jamais dit ça parce que je ne connais pas le statut du monsieur et vous pouvez reprendre. Si vous retrouvez la partie où j'ai dit qu'il est sans papier, vous me l'amenez. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Voilà. Mais je ne peux pas me permettre ça parce que moi-même aux États-Unis, j'ai des centaines de milliers de personnes à voir les papiers. Je ne peux pas m'amuser à dire que quelqu'un n'avait pas de papiers. Écoutez très bien ce que j'ai dit. Je connais bien la loi de l'immigration des États-Unis. Et quand je dis je connais bien la loi de l'immigration des États-Unis, j'ai étudié la loi de l'immigration des États-Unis à partir du INA depuis 1921. Et je ne peux pas me permettre de dire que c'est parce qu'il n'avait pas de papiers. Je me souviens très bien avoir dit ceci. J'ai dit si, d'abord, les traités d'extradition qui existent entre le Sénégal et ce pays-là, j'ai dit si ce monsieur a été extradé, certainement que les raisons sont plus que une question de cyberactivisme et de propos. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'aux États-Unis, il y a aussi l'amendement du droit de l'expression, la libre expression. Et elle est pour toutes les personnes, même si vous n'êtes pas citoyen américain, mais si vous êtes sur le territoire américain. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez d'abord. Et c'est pourquoi je vous ai posé la question directement en vous demandant, est-ce que vous savez les intérêts qui lient les États? Non. Il y a ça aussi. Et puis quand on nomme des diplomates, les gens font un amalgame. Monsieur Kofi, si vous, par exemple, on vous prend comme un ambassadeur, et qu'on vous nomme peut-être à Washington ou bien à Paris, on accuse souvent les ambassadeurs, mais il faut qu'on clarifie certaines choses. Vous savez qu'avant Gbagbo Awon Ouattara, avant les présidents, c'est un métier que ces personnes-là font. C'est de la diplomatie qu'elles ont apprise. Elles ont, ces personnes-là, les ambassadeurs, ont une réputation à maintenir, quel que soit le régime en place. Voilà comment on nomme un ambassadeur. Quand un ambassadeur est nommé, si M. Kofi doit être nommé en France, vous savez que c'est Macron même là. Macron va mener une enquête de moralité sur M. Kofi. Et c'est quand M. Macron sera, à travers la lettre de créance et les enquêtes que les services auront fait, quand Paris va accepter que vous partiez là-bas, c'est sur la base de votre bonne moralité. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'un ambassadeur, quand il est nommé dans un pays là, il sert lui-même son pays et il sert le pays hôte. Comment? Par sa crédibilité. C'est-à-dire aujourd'hui, si les gens veulent demander une question de la Côte d'Ivoire, la première personne qu'on va demander, si c'est concernant la France, les Français, les services français vont appeler directement l'ambassadeur. Et imaginez-vous que l'ambassadeur est déjà un parti pris. Il perd sa crédibilité du côté des autorités de Paris. Est-ce que vous entendez? Vous comprenez ça très bien. Voilà. Et donc, ça va tuer sa crédibilité. Et maintenant, ces gens-là ne vont même plus tenir compte de ce qu'il dira. Si l'ambassadeur aussi devient militant du parti au pouvoir qui est en place, vous verrez directement que les Français ne diront rien.
mais ils comprendront que c'est quelqu'un qui est trop proche du régime et ils vont détourner pour faire des enquêtes extérieures. Et donc, ce qu'on dit, souvent on fait des fuites en avant, les ambassadeurs sont là d'abord pour maintenir une certaine crédibilité, ce qui est très important. Mais les communautés ivoiriennes qui existent en France ou aux États-Unis, c'est à nous d'approcher nos autorités et de dire, voilà les mécanismes que nous avons appris. Par exemple, il y a quelqu'un qui disait, qu'est-ce qu'on a fait à ces cyberactivistes qui crient. Par exemple, M. Kofi, moi je suis dans une phase de poser plainte. Et ça, vous le savez, depuis 2-3 semaines, nous sommes en train de faire ça. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer sur les réseaux sociaux. Je veux dire que tant que nous allons être là en train de dire que c'est les autres qui doivent faire tout pour nous, M. Kofi, nous n'aurons jamais rien. On a voulu penser que les autres allaient aller et que tout allait bien marcher à la CPI, mais voilà que la CPI nous a jeté chose à la figure, qu'il n'y a pas eu assez de victimes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'assoit et on continue à se plaindre. C'est Ouattara qui était le problème, c'est Gbagbo qui était le problème, mais est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas estimer que nous sommes un jour notre propre problème? Ça, c'est aussi simple que ça. Le jour que nous, les victimes, et ce que nous n'aimons pas voir, le jour que nous-mêmes, on va se dire, puisque personne ne peut prendre notre destin en main, et vous dites quelque chose qui est très important, et que j'ai toujours soutenu, j'ai toujours dit, il ne faudrait plus que quelqu'un sorte pour quelqu'un, pour quelques politiciens. C'est très important. Ça, ce côté-là, vous le dites, c'est très bon. Même si Ouattara vous demande de sortir, demain, ne sortez pas. Mais si on vous dit, sortez pour venir défendre votre intérêt, sortez pour qu'on vienne demander de diminuer le prix du sac de riz, sortez pour qu'on donne l'assurance maladie gratuite à toutes les personnes en Côte d'Ivoire, là, vous pouvez sortir. Comme de la manière que je dis, les victimes... Voilà, voilà. Et donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas si peut-être ce que j'ai dit peut vous satisfaire, mais au moins, c'était mon avis quand même que j'ai donné aussi. Voilà, ça peut un peu me satisfaire, mais en parlant de ça, quand il y a eu le truc de où Afin Gessan et Bidi ont lancé, comment on appelle ça même, voilà, pour, les gens sont sortis, ils ont brûlé les voitures des gens, des remorques des gens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu justice qui a été fait. Les gens sont en train de circuler partout. Moi, je pense que quand les militants voient ça, quand vous les dites de sortir pour prendre leur responsabilité, ils ont peur, ils sont découragés. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon avis. Mais en même temps, quand vous avez peur de prendre vos responsabilités, c'est que vous demandez... Le pouvoir met en place, Abidjan ne fait même pas un grand pas pour montrer aux autres, mais personne ne va sortir. Et qu'est-ce que vous aurez souhaité que le pouvoir... Qu'est-ce que vous aurez souhaité que le pouvoir fasse pour montrer aux gens... Voilà. Voilà, voilà ce que moi, je propose. Comme ce que Mme Picasso a fait la dernière fois. Et moi, j'ai toujours dit, il faut qu'on le mette en prison au moins un mois. Il vient d'arriver, tu lui dis qu'il est venu pour la paix, qu'il vient... des propos comme ça, il faut on lui met en prison, on l'envoie à la marque comme tout le monde. Mais rien n'est fait, on l'a convoqué, on l'a écouté, on l'a laissé partir à la maison. Et vous pensez qu'il n'y a rien qui lui a été dit? Lui, Moïse a fait ça pendant les élections. Il a dit des Julien, donc à le juger. Il n'a même pas convoqué pour lui demander pourquoi il a dit ça. C'est comme ça. Okay. Et le monsieur, il a parlé, il va s'élever. Tout le monde s'élève, il dit n'importe quoi. Après, c'est mon avis, moi. Il n'y a pas, non, votre avis, les... Si le pouvoir en place à Abidjan, si le pouvoir en place, pas une décision, les gens voient que ouais, le pouvoir à Abidjan. Moi, je dis toujours, bien avant que le monsieur Ado vienne au pouvoir, les gens sont morts à côté de lui. Mais que s'il arrive là, il faut que lui aussi, il arrive à mettre la justice au devant des choses. Mais ce que moi, je vous explique, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce qu'au lieu d'aller dans les détails un à un, on ne peut pas régler le problème en détail. Oui. Qu'est-ce que nous, les victimes, nous sommes prêtes aujourd'hui à demander que la justice soit faite? Moi, ce que les victimes proposent, c'est que... Non, vous ne me comprenez pas. Quand on discute, quand on pose une question, on a besoin d'une réponse pour continuer avec l'élan des pensées. Mais une fois que je vous pose une question et que vous ne me répondez pas... Moi, je souhaite que l'État ivoirien convoque ceux qui ont envoyé les gens dans la rue. On les traduit à la justice. Il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez été largement entendu. C'est nous qui vous disons merci. Oui. Et vous passez une très bonne soirée. Merci, il n'y a pas de souci à vous. Chers auditeurs, quand on communique, quand on vous laisse le temps de communiquer, quand j'essaie de vous poser aussi des questions, je ne m'attends pas à ce que vous fassiez d'autres développements, et puis je laisse tomber mon avis, et puis après on revient à autre chose.
Madame, vous restez. Quand une question est Bonsoir, posée. éclaireur. Bonsoir, madame. Vous restez, je vais vous prendre. Quand une question, après que vous ayez donné votre avis, si vous permettez aussi à l'éclaireur de donner ses avis ou bien d'essayer d'exploiter ce que vous avez dit, c'est ça aussi qui rend le débat intéressant. Mais quand on a déjà une idée figée et qu'on ne fait que ressasser, remettre sur plusieurs aspects, ça devient véritablement une perte de temps et il n'y a plus de communication. Et donc, maintenant, je vais me faire fort de demander aux uns aux autres, si vous voulez faire votre avis, vous donnez votre avis, là, moi, je ne pose pas de questions. Ou bien, si vous voulez poser des questions, vous posez vos questions et on avance parce qu'à ce rythme-là, on ne peut pas être dans l'improvisation et ça ne pourra pas assainir vraiment la qualité des débats. Bonsoir, Madame Akin. Oui, bonsoir, éclaireur. Comment Bonsoir, allez-vous? je vous ai suivi depuis Est-ce que vous la avez visite en mer. des avis à donner ou bien des questions à poser? Non, pas du tout. Moi, je tombe dans un autre truc dès que je voulais plutôt faire un coup de gueule contre Il n'y a pas de les problème. journalistes. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez votre tribune. Alors, je pense quand même que le niveau de nos journalistes est trop bas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour moi, que définit le rôle du journaliste? Enfin, je veux dire, même les mots dont on souffre aujourd'hui sont en partie la responsabilité du manque de professionnalisme ou bien du savoir-faire de nos journalistes. Que définit le rôle du journaliste? Pour moi, le rôle du journaliste, je ne sais pas si je ne me trompe quand même, attends, je suis un peu perdu. Voilà. Eh bien, je doute en référence à leur improductivité constatée depuis au poste Houphouët-Boigny. C'est-à-dire que depuis Houphouët-Boigny, quand même, on a le niveau de journaliste qui est assez médiocre, comme je l'avais souligné. Éclaireur, arrêtez-moi si je me trompe, mais le rôle du journaliste pour moi, c'est se décrit comme le suivant: aller à la recherche de l'information, recueillir de l'information et la transmettre avec chacun sa spécialité informationnelle, n'est-ce pas? Oui, Pour tous ces sujets. Et mais sans prendre parti. C'est très important, l'impartialité. tout à fait, Voilà. tout à fait, tout à fait. Et honteusement, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on note encore la médiocrité d'une vieille catégorie de journalistes qui font du remue-ménage. Laurent Gbagbo, SPI et tout le sordide qui va avec. Bref, je ne sais pas si vous êtes de mon avis. Effectivement, Au c'est vu du de journalisme alimentaire. Merci. Au vu de l'abondance d'informations utiles, traitables qu'on a en Côte d'Ivoire aujourd'hui, et citons par exemple les dysfonctionnements, le détournement, qui personne voilà, ne fait rien contre l'anarchie exacerbée, l'incivisme qui, relativement par rapport aux accidents de route dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est aussi, voilà, l'incivisme qui cause tant de conséquences graves et bien d'autres encore. Voici autant de sujets qui font de nos quotidiens pour nos journalistes. Des sujets à exploiter quand même au profit des citoyens, de nos concitoyens. Ils n'en font rien. À travers ceci, je dis que quels sont ces journalistes-là, pardon, quels sont ces journalistes-là insoucieux du devenir de leur pays, mais plutôt centrés sur la personne d'un individu honteusement médiocre à qui est, pardon, le Laurent Gbagbo et toute cette sordide en plus encore. Bon, que faire? Qu'est-ce que vous êtes limité, vous, journalistes ivoiriens? Parce que quand même, là, il faut que je leur envoie un peu d'insultes. Ils sont vraiment limités, pour moi en tout cas. J'ai cru comprendre aussi à cet effet que ces journalistes réclament des subventions au gouvernement, ce qui sera forcément l'argent du contribuable, sauf si je me trompe. À cet effet, je pose cette question au gouvernement. Quelle est la garantie? Quelle garantie nous donne-t-il, lui, le gouvernement,
et les journalistes eux-mêmes un retour de cet investissement sur, en fait, un retour sur cet, cet investissement. Sachant qu'on a pour culture dans ce pays de dilapider et laisser manger les gens, comme on le sait, le gouvernement va-t-il subventionner pour subventionner, ou est-ce que ça va faire ça va se faire sur la base d'un contrat, c'est-à-dire que le journaliste, on le subventionne, mais aussi il faudrait qu'il fasse son travail pour le peuple. Le journaliste, pour moi, est responsable de l'amélioration sociétale. Alors, il est impératif que vous, journalistes, vous vous mettiez au travail et surtout, et tout de suite. Sinon, trouvez-vous autre chose à faire. Normalement, oui, parce qu'on ne va pas comme ça traîner avec cette même manière stupide de faire. C'est mon coup de gueule, en tout cas, que je fais. C'est mon coup de gueule que je fais. Et puis, éclairant, j'aimerais bien que vous puissiez dire quelque chose sur cet aspect que je pense être important pour notre développement, notre épanouissement. Et aussi, devrions-nous pas mettre la pression là où il faut pour imposer à nos journalistes d'œuvrer vraiment comme des journalistes à la construction de ce pays en lieu de s'afficher en politicien. Bon, j'en ai fini, c'était mon coup de gueule. Voilà, je vous laisse aussi dire ce que vous avez à dire là-dessus. Et puis, on avance. Mais en tout cas, tous nos mots aujourd'hui, tous les mots dont on souffre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on n'a pas de journalistes à la hauteur. Ok. C'est nous qui vous disons merci. Et voilà quelque chose de très important que vous venez de toucher du bout du doigt. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, le laxisme est la chose la mieux partagée dans le métier de journalisme en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voyez-vous, grâce au journalisme, on a pu connaître la guerre civile en Côte d'Ivoire. Parce que figurez-vous que toute guerre commence dans les esprits, avant de devenir physique. Et figurez-vous, quand vous avez connu un certain Tapé Koulou, quand vous avez connu des prêcheurs de haine qui ont transformé le faux et la haine en vérité, pour essayer de conforter les malfaiteurs dans leur position, et les convaincre d'aller à la guerre pour tuer une partie de la population, cela a été possible grâce aux journalistes. Et même, je vous le dis, madame, il y a des travaux d'analyse des grandes organisations internationales comme l'ONU qui disent même que la guerre même est en partie à 50% causée par les médias ivoiriens. Toutes tendances confondues. Mais ça n'a pas servi d'éléments pour que ces personnes-là puissent reprendre conscience. Et malheureusement, elles en sont à demander des subventions à l'État avec l'argent du contribuable pour encore incendier une fois de plus le pays. Ce que moi je propose, c'est comme ça. Vous l'avez déjà dit, si vous ne pouvez pas travailler pour la société, vous ne devez pas demander les bonnes grâces de cette même société. Aujourd'hui, donnez-moi quelqu'un. Et ça, malheureusement, la Côte d'Ivoire est vraiment un pays qui excelle en cela. Voilà un pays où tout le monde a raison et personne n'a tort. Tout le monde a raison à la fois. Quel est ce pays-là où tout le monde a raison et personne n'a tort? Ça n'existe pas. Madame, même ma vérité, elle a ses propres limites. Il faut que je l'accepte. Voilà un pays où on ne veut pas s'écouter. Où tout le monde pense avoir raison. Où tout le monde pense avoir les mains blanches. Et les journalistes viennent dans ce contexte maintenant pour venir encore mettre de l'huile sur le feu. Et malheureusement, combien sont ces journalistes qui parlent même des vrais problèmes de la société, comme vous avez dit? Il y a un problème où des Ivoiriens n'arrivent pas à manger. Il y a un problème où des Ivoiriens n'arrivent pas à faire partir de leurs enfants à l'école. Il y a un problème où nos mamans meurent dans les hôpitaux. Il y a un problème où des centaines de milliers de personnes meurent. Vous savez, il y a eu combien d'accidents en 2020? Il y a eu 1300 accidents en Côte d'Ivoire. Et il y a eu 1200 morts. Est-ce que ça, c'est pas pire que le sida lui-même? Est-ce que ça, c'est pas pire que le VIH-Sida? Ça, c'est pas pire que le coronavirus? Mais ça ne semble intéresser personne. On ne cherche pas, à travers le métier de journalisme, à conscientiser, à informer. Vous voyez aujourd'hui que c'est quelques rares personnes même qui font un effort pour essayer de ramener les gens à la réalité de l'information, qui est qu'une information, il faut l'analyser et il faut savoir la donner, mais en restant neutre et en disant toujours la vérité. Malheureusement,
En Côte d'Ivoire, Et c'est ce aujourd'hui, qu'on n'a pas en Côte d'Ivoire. voilà. Aujourd'hui, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, c'est eux qui font ce travail-là. Si vous voulez vous informer sérieusement, il n'est pas important de lire les journaux ivoiriens aujourd'hui parce que déjà même, il y a un phénomène de titrologie. On fait sortir des titres à guichet pour pouvoir attirer les masses. Et donc, il y a des journaux qui se permettent même de dire il aurait un coup d'État, le pouvoir en place préparer un coup d'État contre Laurent Gbagbo. Comment peut-on préparer un coup d'État contre un canard boiteux? Franchement. Mais ça intéresse les gens parce qu'ils se disent quoi? Il y a quelque chose dedans, mais quand ils vont payer, il n'y a absolument rien là-dedans. Il n'y a aucun travail d'analyse, il n'y a aucun travail de conscientisation et il n'y a aucun travail qui est basé sur l'impartialité. Parce que tout ça, ce sont les différents aspects, hein? Ce sont les différents aspects. Et malheureusement, la tendance ne semble pas changer parce que plus on est journaliste militant et plus vous avez de l'argent de poche des différentes obédiences politiques et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de journalistes en Côte d'Ivoire. Et moi, je le dis, je l'assume, il n'y a plus de journalistes en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-mêmes qui sont aussi dans les bonnes grâces du pouvoir ne font que gueuler et ne jamais être capables même de faire un travail d'analyse. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'impasse dans On n'est ce pas dans qui est de la l'impasse paix parce qu'aujourd'hui, journalistique? si vous et moi arrivions à en parler et on arrive aujourd'hui à réveiller les consciences, les gens, c'est à nous-mêmes de pousser ces gens à faire leur boulot. Parce que autant on accuse les médecins et les sages-femmes de ne pas faire leur boulot, les journalistes aussi ne font pas leur travail. Mais pire, ils sont même ceux-là même qui conduisent les populations à la mort. Et il faut qu'on leur dise et il faut que nous-mêmes, les populations, les obligeons à changer de paradigme. Parce qu'à vouloir dire que c'est le régime qui doit D'où la changer, pression, il faut la pression populaire. Et donc, pression de, d'où la mise de pression que j'ai mentionnée tout à l'heure. voilà. Et donc, il faut véritablement une société civile responsable, respectueuse et crédible en Côte d'Ivoire. Et ça n'existe pas. Et quand ça n'existe pas, la nature a horreur du vide. On laisse des brigands et des militants du FPI venir se faire passer pour des représentants des droits de l'homme. Ça nous conduit à des rapports comme s'il y a 375 prisonniers en Côte d'Ivoire. Alors que ce sont des mercenaires et des criminels qui sont en prison. Bon, mais si vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous en avez écho, les subventions qu'ils ont demandées, les ont-elles reçues? Ou alors, Bon, si oui, sur quelle base? il y a Et un puis, peu, c'est ce que je bon, disais, voilà. c'est ce que je disais en parlant de Pas de la, narguer, quoi. c'est ce que je disais en parlant de la culture du laxisme. Quand vous avez vu que depuis que la guerre est finie, les mois qui ont suivi, ils ont fait le même jeu et le pouvoir leur a donné une certaine somme pour pouvoir remonter les journaux comme Notre Voix et tous les journaux aujourd'hui qui incendient le pays. Et donc pour eux, c'est comme leur droit absolu. Et donc eux, ils ont besoin de cette prime-là pour pouvoir continuer à mettre le pays en mal. Et donc, si le pouvoir donnait une première fois, je ne sais pas si cette année ça a été donné, mais je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont eu l'habitude de faire, ils ne le referont pas cette fois-ci. Bon, mais dorénavant, on sait où, vers où étendre notre. Pardonnez? Tout compte fait, c'est à lui de réussir son pari, hein. Ok. Effectivement. Effectivement. Je vous remercie. Oui, L'erreur, c'était. il Bon, n'y a pas de voilà, c'était problème. mon coup de cœur. Mais Franchement, c'était ça me la commence à me bienvenue. déranger. Oui, c'était la Les choses les bienvenue. plus simples sont là à faire. On ne les fait pas et on Oui. s'attend au, je sais pas moi, à des résultats. On ne peut pas avoir de résultats si on ne fait rien pour les avoir. Vraiment, vraiment, Voilà. vraiment. Vraiment, c'est nous qui vous disons Bon, merci. merci, Clever. Et vous passez une très bonne soirée. Ok. Je suis vraiment exténué par tous ces petits trucs, enfin, tous ces éléments. Merci encore. N'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée du côté de Londres. Ok. Et donc, chers auditeurs, nous allons continuer. Et il y a un de nos auditeurs, comme je l'ai dit, pour ceux qui veulent véritablement poser plainte contre l'individu dont j'ai parlé, on a un de nos frères qui vient de me donner le numéro. Il dit ceci, éclaireur, bonsoir. Je ne sais pas si tu as déjà le numéro du NE qui a insulté. Je te passe le numéro, c'est le plus 33 76 94 89 0 90. Je répète, 33 76 94 89 09 0. Et donc, tout ça contribue et nous disons merci au frère qui a envoyé ce numéro-là. Ça contribue à nous rapprocher de la réalité. On a son nom, on a son téléphone, on a aussi la pièce à conviction. Et donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent poser des plaintes, demain, vous pouvez le faire. Et tous les arguments, vous les avez en main. Nous disons merci au frère et nous revenons encore au roi du printemps.
Et je pense certainement qu'il sera le dernier aussi auditeur. Voilà, puisqu'il n'y a pas d'autre après lui. Et donc, on va l'appeler pour voir. Il y a Mouna Kanté qui nous dit: bonsoir l'éclaireur, la majorité des journalistes en Côte d'Ivoire sont des incapables et sans moralité. Leur sermon d'hypocrisie est en avant. Oui, c'est malheureux, mais c'est aussi ça la réalité, Madame Kanté. Et que peut-on bien faire? Ok. Donc, je pense que lui n'est pas peut-être disponible. On va essayer une dernière fois. Il y a Ousmane qui dit: c'est des journalistes militants des partis politiques. Il suffit de voir sur les plateaux télévision. Effectivement. Allô? Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir, le roi. Bonsoir, Éclair. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Et là encore, je reviens. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, pour parler un peu de ce qui concerne le toit là. Mm-hmm. Voyez-vous, le monsieur de Paris qui a appelé et qui a dit qu'il y a une association à Paris qui lutte contre ce genre de choses là. Mm-hmm. Et il a essayé de justifier un peu les choses. Moi, quand tu. Déjà, moi, je vois en eux des personnes qui ne vont rien faire. Mm-hmm. Parce qu'il ne s'agit pas devant une telle situation où il n'y a pas de justification qui tient. Quand vous venez vous justifier de la sorte, ça veut dire que vous-même, là. Vous êtes là, devant vous. À côté complice. Si quelqu'un est en train de faire du mal, qui dit comme ça, non, la fait, ça veut dire que toi tu es complice du mal. Si tu n'es pas complice, tu vas prendre tes responsabilités. Donc, il ne peut pas avoir une telle situation. Et puis, à quoi vous allez venir essayer de justifier? Vous allez justifier quoi? Il est dans votre nez là-bas. Il est dans votre nez là-bas. Donc, qu'ils arrêtent. S'ils ne peuvent rien faire, qu'ils arrêtent de nous alerter. Faut pas, ils vont venir nous parler des histoires à dormir debout. Non, on est fatigué de ça. On est fatigué de ça. Maintenant, je reviens pour parler un peu de choses là. Monsieur Kofi qui a parlé, qui a dit que effectivement, que lui, il est déçu. Bon, lui, s'il s'agit d'une élection, lui sortira pour voter le président et que lui n'est plus prêt pour sortir pour un politicien. Oui, ça, on a déjà compris ça. Ahmed Bakayoko, père à son âge, nous avait déjà dit ça. Et il avait raison. Maintenant, les propos tenus par Tamara Picasse. Je ne sais pas, M. Kofi, s'ils doivent suivre les événements, qu'est-ce qui a pu bien pousser pour que Tamara Picasse soit convoquée à la police? C'est la grogne des populations qui a fait. Parce qu'ils ont pris la prise de mesure de savoir que si Tamara Picasse n'a pas été rappelée à l'ordre, à la police, ça risquait d'embraser la situation et la population allait prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi Tamara Picasse a été convoquée à la police. Et ce qui lui a été dit, et Tamara Picasse ne viendra pas dire aux gens, voilà ce qu'on m'a dit à la police. Mais sinon, il sait pertinemment que s'il a récidivé encore, ce qu'il attend, c'est la prison. Il vient d'entrer. Comme on le dit, si on les prend, on les jette en prison, les gens diront que, ouais, ils ont appelé pour venir les mettre en prison. Mais chaque chose, il y a une conduite. Et chaque chose a son temps. Le temps, c'est le nom de Dieu. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et Tamara Picasse, il va récidiver. Et c'est là où les gens comprendront que vraiment, effectivement, la justice est en train de travailler. Et je dis, le président nous a dit de nous calmer. Et qu'il y a des têtes qui vont tomber, les têtes qu'on a jamais pensé qu'on pouvait les envoyer en prison. Ils seront convoqués. Et dès qu'ils sont inculpés, ils seront mis en prison. Nous, on est là, on regarde le président. Donc, c'est autant de choses qui, aujourd'hui, doivent attirer l'attention de tous. Donc, je pense que M. Kofi se calme
Et moi, je suis dans la même lignée que lui. Moi, je ne sortirai plus pour un policier aller me faire blesser. Parce que moi, j'en ai subi trop de blessures dans cette affaire. Mais est-ce que donc, je peux. Est-ce si que je c'est peux... pour le. Mais le message n'est plus lui. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, posez-moi une question. Bon, moi, voilà des militants. Je veux parler des militants LHDP. On se plaint de tout et on veut que le président fasse tout. Mais on ne se dit jamais que nous-mêmes, il y a un jour quelque chose que nous devrons faire aussi. Effectivement. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre cette contradiction-là. Parce qu'on veut que tout soit beau. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous avons fait? Posons-nous cette question-là. Et est-ce qu'on peut continuer à toujours se plaindre quand nous-mêmes, on ne fait rien et vouloir que tout soit arrangé autour de nous? Je crois que ce n'est pas sincère aussi. Oui. C'est ça. Mm-hmm. C'est vrai. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que vouloir que le président fasse tout, vraiment, c'est un peu trop lui demander. Il a fait ce qu'il pouvait en ramenant, en essayant de ramener la paix au-delà. Mais quelqu'un, même lui-même, sa propre mère, sa génitrice, sa tombe a été profanée. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a plus grande humiliation, il y a plus grande facture que ça? Mais il a pu pardonner. Il a pu pardonner. On lui a dit qu'il n'est pas ivoirien. Sachant très bien qu'il n'est pas ivoirien. On essaie de l'expulser de sa nationalité. Mais tous ces trucs-là, il a fait table rase de ça pour l'amour du pays. Donc, quand on voit de tels discours, comment on l'appelle, un tel discours venant d'un vanipieux, de quelqu'un, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait à Paris, on ne connaît même pas son travail, qui vient sur la toile et qui vient étaler toute sa haine. Communauté. Et là, j'ai dit, le président va prendre nos responsabilités. Donc, on a quand même dormi sur nos lauriers. Est-ce qu'on a pris et puis le président a dit pourquoi vous avez fait ça? Le président ne peut pas. Lui, il est des Ivoiriens. Il est le père de tous les. Il est le père du. Bon, tel est dit, comment on vous a attaqué, allez-y attaquer l'autre. Mais ça sera. Il sera plus pire que Laurent Gbagbo. Il sera plus pire que Pitié. Des gens qui ont contribué à brûler le pays, le président sera plus pire que. Donc, chers Ivoiriens et chers militants RDP, le président ne procédera pas de cette façon. De toute façon, vous voulez qu'il procède, il ne procédera pas comme ça. C'est à nous de prendre nos responsabilités parce que c'est une occasion qu'elle a là. Si l'occasion, si on a raté ça, ça veut dire que tout le monde viendra étaler sa haine contre le peuple du Nord. Et lui, il a dit que Laurent Gbagbo a été libéré et ils vont prendre le pays, ils vont tuer les Doulas. Mais moi, je vais lui on l'a. Laurent Gbagbo est armé tout, mais d'un côté, puis déniché comme un rat dans son bunker. Ouattara n'était pas au pouvoir, et puis nous, on l'a fait. Donc, s'il s'amuse à ce qu'il est en train de dire là, nous, on va commencer d'abord par les gros, son ethnie là. Que les gros m'excusent, mais on va commencer par les gros. Quand on va tuer dans les gros là, puis il va se calmer, puis il va savoir que la paix là, il n'y a pas de prix pour la paix. Donc, nous, on doit prendre nos responsabilités. Ceux qui sont à parler, nous, on les regarde. S'ils veulent là, qu'ils le fassent. Mais demain, faut pas, ils vont venir s'asseoir pour pleurer encore, pour dire, voilà ça, le président. Le président n'a rien à voir, les gars. Lui, il est préoccupé à développer le pays. Il a fait ce qu'il pouvait, mais c'est à nous maintenant de lui rendre tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, l'éclairer. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Et merci. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Et vous passez une très bonne soirée. Ok. Ok. Donc, on va finalement prendre le dernier auditeur et on va clore définitivement la séance de ce soir. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je reviens encore juste pour qu'il m'aille un petit truc. Allô? Voilà. Oui, on vous écoute, oui. Allô? Voilà, en fait, c'est pour juste intervenir. On a des difficultés pour vous entendre, oui. Voilà. Nous sommes tous touchés par ce truc-là parce que ça touche tout le monde, en fait. On a vraiment des difficultés à vous entendre. Je ne sais pas si vous avez un écouteur ou bien quelque chose qui pose problème. Non, j'ai pas d'écouteur. Vous m'entendez bien maintenant? Bon, le son, ça monte, ça diminue, de sorte qu'on n'arrive pas à vous entendre correctement. Ok.
Donc là, je me place un peu. Allô? Oui, allô? D'accord, juste faire un petit éclaircissement. Oui. En fait, concernant le jeune qui a dérouté à Paris, moi, je veux faire comprendre aux frères qui sont en Côte d'Ivoire que là, aujourd'hui, là, ce n'est pas un débat pour se dénigrer entre nous. Parce que ce que le jeune, il a sorti, il a frustré tout le monde, en fait. Moi, je crois qu'on doit se comprendre pour avoir une solution. C'est vrai, vous-même, vous êtes aux États-Unis. Ici, dans l'Hexagone, on ne se fait pas justice tout seul ici. Ça, vous le savez très bien. Mais chacun a sa stratégie pour faire ses trucs. Mais ce n'est pas sur un plateau comme ça. Chacun va venir dévoiler ce qu'il a à faire. Vous voyez, le Mais monsieur, il a fait ce qu'il pouvait si je faire. peux vous poser une Mais il ne question, faut pas nous traiter de lâches ici. Hein. jusqu'à quand Oui? votre stratégie, on va pouvoir la voir ou bien elle aura des effets? Si je peux me permettre de vous Moi, poser. je vous ai déjà dit qu'il y a eu déjà des effets parce que les cadres RHDP sont plus attaqués déjà en France. Et vous le savez ça déjà. Maintenant, je vous ai dit et je vous ai Mais donné des trucs est-ce que que ça je c'est vous pas reviendrai est-ce que ça ce quelquefois. n'est pas sans vous mentir, sans vous pour vous dire la vérité, moi je sais que les autorités Oui? ivoiriennes ont dit clairement aux autorités françaises d'assumer leurs responsabilités, qu'on ne veut plus voir de telles choses. C'est ce que je vous dis, hein. Et Voilà. donc et Donc, c'est donc une carte pour et nous. non Déjà, on a une carte en main, déjà. donc non je Vous veux êtes dire, d'accord avec moi? je ne parle pas des civils, je parle des autorités ivoiriennes, parce qu'il y a la loi de coopération et de la diplomatie. Et quand vous acceptez que D'accord. les fonctionnaires d'un État étranger qui servent chez vous soient attaqués, c'est très vilain. Et même si on ne faisait rien, les autorités françaises ont déjà pris des dispositions pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et donc, ne pensons pas que ce crédit-là, on peut se le donner à nous. Voilà. Je veux dire que Moi, si je on en est vois. arrivé à ce qu'on n'attaque plus les autorités ivoiriennes, ce n'est pas un crédit qu'il faut donner aux militants du RHDP ou bien à nous-mêmes. On n'a vraiment rien fait. Ça, moi, je l'assume, je le dis. Parce que, disons-nous la vérité, c'est encore mieux. C'est au nom de la diplomatie que les déjà, Français comme je ont vous le dis, compris. Voilà. éclairant, nous sommes en France ici. Moi, je vais vous recontacter pour vous éclaircir sur beaucoup de choses que vous ne pouvez pas savoir ici. Effectivement, Voilà, effectivement. nous, moi, j'ai l'audace de parler. Mais il y a plein de personnes qui ne peuvent pas parler comme moi comme ça. Et je vous prends une bosse quand je finirai. Je crois que vous serez mon porte-parole devant les gens qui sont en train de parler, qui ne savent rien. N'y a pas de Voilà, problème. moi je vous le dis et vous donne les preuves qu'il y a. Et déjà, il faut que les gens comprennent qu'en France, ici, on ne peut pas se faire justice comme Abidjan. Tu ne te Oui. lèves pas à aller taper la porte de quelqu'un Oui, comme mais ça pour dire, bah voilà, toi tu as fait ça et je te fais ça. Non, Non, certes, on ne ça ne peut se fait pas. pas ici. Certes, on ne peut pas se rendre justice, Honnêtement. mais chacun a le droit de pouvoir poser plainte sur la base de pièces à conviction réelles et sur la base que Mais l'individu existe. je crois qu'on ne s'attend pas. Le monsieur qui parle à Bidon, lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ouais, d'attraper le gars, casser sa gueule, faire des trucs. Non, Mais ça ne se fait pas comme non, ça, ça c'est ici. pas possible. Non, ce n'est même pas possible. Tout le Dites-lui monde le sait. Tout le monde. de se calmer. Dites-lui de se calmer. Non, Il n'est c'est pas plus évident. guerrier que les gens qui sont en France ici. Oui. Nous, chacun fait ce qu'il est en train de faire. Chacun fait ce qu'il est en train de faire. Même lui, la manière qu'il parle, si nous, on sort en face de lui, il ne pourra même pas dire ce qu'il est en train de dire. Mais nous, on regarde, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Il ne connaît pas, il ne sait pas quel genre de personne je suis. Il ne m'a Effectivement. jamais vu. Et il dit des choses. Moi, je sais, je crois, je crois. Et je fais confiance. Je Non. suis un beau bébé. Et en Non. face de quoi, je sais qu'il ne recule pas devant quelque chose. N'y a pas de Donc, problème. ce qu'il ne sait pas, c'est que lui, il ne sait pas qu'il ferme sa bouche. Et puis, ensemble, on se serre la main pour aller au combat. Mais il ne faut pas Effectivement. dénigrer des gens sans les connaître. N'y a pas de Moi, je ne problème. parle pas trop s'il est là. Prends-lui ses contacts. Moi, je le prends ses contacts. On se croise. Moi, je vais habiter bientôt. On va communier, on va se connaître. Et il va comprendre beaucoup de choses. Et si on ne se fait pas justice, il y a trop de caméras. Et quand tu fais un petit truc avec le terroriste, ça peut te rejoindre dans 10, 15, 20 Ça ans peut vous pour des nuire. démarches que je suis Oui, en train de faire. oui, Donc oui, ici, on va pas à pas. Le plateau de l'éclaireur, ce n'est pas un plateau de dividendes où on vient s'exposer, se taper la poitrine. Personne ne connaît personne ici. On Effectivement, se donne juste des effectivement, idées, on se effectivement. donne juste des idées pour pouvoir Avancer. voir comment réprimander ce monsieur et Effectivement. barrer la route à tous ceux qui sont en train de le faire. Si vous remarquez, tous ces gars qui sont en train de parler, ils sont en France. Pourquoi ils parlent? Parce qu'ils savent que la France ici, c'est un pays des droits. Tu ne peux pas faire ce que tu as à faire en Afrique. Sinon, les blocages de l'Afrique, ils ne font pas ce qu'ils font ici. Comprenez un peu, donnez-nous la force en Europe, donnez-nous la force ici, donnez-nous des idées. Comment on peut essayer d'éradiquer tout ça? Mais ne nous frustrez pas. Effectivement. C'est frustrant. C'est frustrant. On est pareil. Le gars vous a insulté. On est tous au même pied d'égalité. Ça nous touche tout le monde. On est tous du Nord. Ça nous touche tous. Mais pourquoi vouloir essayer de dénigrer d'autres personnes pour d'autres personnes? Ça ne suffit pas. N'y a pas de problème. Voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je ne parle pas trop. Moi, c'est une. Y a pas de problème. L'éclairage, vous avez mes contacts.
Le monsieur qui vous a parlé, il avait contact. Bon, je vais à Abidjan bientôt. Il va essayer de venir vers moi, on va poser. Et il va voir qu'en face de lui, la personne qui va voir en face de lui, c'est pas un plaisanté. Il y a pas de problème. Donc arrêtons de se taper la poitrine pour rien du tout. Le monsieur qui a fait ce truc-là, vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il a poussé à aller devant une caméra 48 heures pour s'excuser. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'on lui a dit. De vous à moi, l'éclaireur. Moi, je vous envoie les contacts. Regardez dans votre inbox, vous allez voir tous les contacts qui sont là-bas. Son numéro, tout. Vous avez vu ou pas? Donc arrêtons de se taper la poitrine pour rien. Moi, je ne parle pas trop. Je n'ai rien à dire. On prie pour que ouais, ça n'arrive plus, pour que le père puisse gouverner tranquillement. Il n'y a pas de problème. Ici, la plateforme de l'éclaireur, c'est un endroit où nous, on vient se renseigner, où on vient prendre des idées pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour prendre la haine. Le monsieur est très parlé. Il y a quelle différence entre un gars et il n'y a pas de différence. C'est le même dénigrement. Hein. Donc, dites-lui de se calmer. S'il veut trop, vous avez mes contacts, vous lui donnez, le mot en cause. Et après, il va comprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je crois qu'on doit se serrer les coudes pour aller de devant. Aller de l'avant, tout le monde est guéri ici. Tout le monde est guéri ici. Personne n'est plaisanté ici. Mais allons doucement, il ne faut pas dénigrer les gens. Nous, en France, ici, on sait pourquoi on est là. Ici, il y a trop de droits ici. Il y a trop de droits en France. Il y a trop de caméras. Une rue même où il y a plus de caméras même que de lumière. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Mais nous, on s'arrange pour calmer les choses. Concernant les dirigeants RHDP, moi, je vous dis, tout à l'heure, je vous prends en inbox et je vous dirai des choses. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Quand Djoumani est autour des éleveurs de l'agriculture, vous avez vu ce qui se passait, non? Donc arrêtons de parler. Arrêtons de parler pour les choses que les gens ne savent pas. Donc du coup, essayez de prier pour nous. Il n'y a pas de problème. Qu'on soit votre porte lance ici pour essayer de faire ce combat-là. Il n'y a pas de problème. Je suis sûr qu'on réussira ensemble. Donc, on réussira ensemble. Et ce que vous avez dit, nous plaçons aussi notre confiance en vous. Et sachez que si vous avez besoin d'idées et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez aussi me contacter. Je peux vous aider. Et même sur l'aspect juridique aussi, malgré que je ne suis pas en France, je peux trouver des contacts pour vous aider. Merci, l'éclairage. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, c'est moi qui vous dis de passer une bonne soirée. Et bien sûr. À vous, on se reprend bientôt. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Je vous en prie. Effectivement, il y a MK qui dit « Éclaireur, l'objectif est atteint, ils seront plus réactifs. » Et effectivement, et c'est ça. Du côté de Paris, le monde entier vous regarde actuellement. Et je suis sûr que vous pouvez faire le travail. Et quand je dis que je suis sûr que vous pouvez faire le travail, bonsoir, monsieur. Éclaireur, bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? Ouais, dis merci, on remercie le bon Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Je disais comme ça que, tiens, voilà, faut pas compter sur les Parisiens, parce que les Parisiens, eux, les caleçons, ils courent rien dans les barrages. Eux, c'est ils font que du bruit, ils sont demain, c'est les vols, c'est les vols, ils font que du bruit seulement. Ok. Alors, compter sur les Abidjanais que les Parisiens. Ça, c'est une vérité, il te dit comme ça. Il faut compter sur les Abidjanais, c'est encore mieux que de compter sur les Parisiens. Si les Parisiens sont incapables de faire quoi, quelque chose, là, ils viennent chaque nuit devant nous ici. Si c'est bruit, là, on est champion comme ça. On est comme le pays lui-même. Voilà. Okay. Donc les Abidjanais, c'est que moi, je peux vous dire, n'oubliez pas. À faire des lance-pieds, n'oubliez pas. À chacun, ça lance-pieds. N'oubliez pas pour Greg Bagou. Il faut qu'il ressent la douleur comme nous autres, on ressent aussi. Voilà. N'oubliez pas. Okay. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Ok. Et donc, ok, merci. Merci pour tous les efforts que tu fais. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée. Okay. Hein. Ok, merci beaucoup. Okay. Merci, ouais. Okay. Okay, merci, merci. Et donc, chers auditeurs, nous pensons déjà qu'on est déjà vers la fin de l'émission et nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont donné leurs idées et qui ont contribué. Ce n'était pas une tribune pour essayer de se combattre, c'était plutôt une tribune pour essayer de se donner des arguments et des idées. Et je crois que dans cette confrontation intellectuelle, on peut avoir souvent l'impression qu'on ne se comprenne pas ou bien qu'on n'a pas pu trouver. Effectivement, je viens d'avoir véritablement le numéro, sans l'ombre d'aucun doute, de ce monsieur-là, Trésor. C'est le plus 33 76 94 89
090. Je crois que c'était le même numéro. Et donc, s'il vous plaît, du côté de Paris, jusqu'à ce qu'on dise que la journée de demain est finie, ne vous faites pas, ne rentrez pas dans les confrontations ou dans les émotions. Prenez la vidéo qui existe. Comme vous-même, vous convenez que c'est un pays des droits de l'homme. Que vous soyez plusieurs ou une personne partout où vous trouvez, n'attendez pas les autres. On n'a pas besoin d'être musulman. On n'a pas besoin d'être du Nord. Et j'ai vu certains dire, il faut que je trouve deux ou trois musulmans. Mais qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est musulman? Ce n'est pas tous ceux qui prient ou qui sont boubous qui sont musulmans. Et donc, vous pouvez faire le travail. Ne vous donnez pas des arguments qui ne tiennent pas. Dans le droit, il y a ce qu'on appelle l'assistance en personne en danger. Et dans le droit, on peut vous condamner pour non-assistance à personne en danger. Et donc, quand vous voyez une situation qui peut être préjudiciable à une partie de la société et que vous vous levez de façon spontanée pour essayer de contrecarrer le mal, sachez que vous êtes une personne dotée d'une belle âme. Et donc, jusqu'à demain, le souhait le plus ardent serait que vous puissiez poser une plainte régulièrement sans entrer dans la violence et on va poursuivre ce monsieur-là et le réduire à sa plus simple expression. Pourquoi nous disons cela? Et pourquoi nous disons cela spécifiquement aux gens de Paris? C'est parce que vous avez une belle occasion de pouvoir donner une leçon et de pouvoir tracer un chemin. C'est important. Et ça serait une occasion aussi pour que ces haineux et ces prêcheurs de la haine-là apprennent à comprendre que respecter l'autre, ce n'est pas la chose la plus difficile. Et insulter l'autre, quand on blesse la dignité de l'autre et que ça devient un jeu, si ça ne cesse pas, le jour que les personnes voudront réagir, on va se retrouver dans un chaos social. Et donc, n'attendons pas d'aller vers le pire avant de pouvoir prendre des résolutions, mais les bonnes résolutions. Il y a des gens qui diraient, comme Idrissa Aïdara qui dit, le gouvernement doit surseoir ce comité d'accueil de Gbagbo. Je dirais que nous sommes dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il fait tant qu'il ne viole pas les lois. Mais autant ce comité d'accueil-là se fera, autant ce comité même sera accueilli lui-même avec son Gbagbo. Ça aussi, nous faisons aussi notre propre comité à côté. Et c'est ce que le frère a dit. Quand il a parlé de lance-pierre, on ne dira pas tout sur le grand jour. Mais vous comprenez déjà le message. Et ça, c'est Gbagbo qui est la racine même des malheurs de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui est la base même de l'injustice sociale en Côte d'Ivoire, parce que c'est sous son régime qu'on a vu les escadrons de la mort. C'est sous son régime que lui-même se plaisait à dire aux gens du Nord qu'ils n'étaient rien, et que si les gens du Nord voulaient avoir de la dignité, qu'ils changent de nom. Monsieur Laurent Gbagbo, nous ne changerons jamais de nom, ça c'est un. Nous ne changerons jamais notre culture et nous n'allons jamais accepter. Je parle maintenant au nom des gens du Nord. Chers parents du Nord, ne changez jamais pour quelqu'un. Vous avez une culture qui est digne, vous avez une culture qui est vaste, vous avez une histoire qui est riche. Et donc, vous n'êtes pas obligé de changer pour quelqu'un qui a été un inconscient notoire, un incompétent de la gamme de Laurent Gbagbo, qui a été un jouisseur public, alors que sa responsabilité était de protéger le pays, mais il a lamentablement échoué. Et pour cacher ses faiblesses, il a pensé qu'en tuant une partie du Nord, il aurait pu atteindre ses objectifs. Mais cher haineux, soyez convaincus d'une chose. C'est avec toute cette capacité de haine et toute cette machine de guerre et de meurtre que vous aviez en place qu'on a cueilli Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Et dans la plus grande honte, il disait « Ne me tuez pas », comme pour finir de montrer toute sa lâcheté à la face du monde. « Ne me tuez pas ». S'il était si courageux, il devrait accepter de finir comme Pol Pot. Il devrait accepter de finir comme Ceausescu en 1983. Mais comme c'est un gros lâche, il a développé en lui-même une grosse culture de la lâcheté dans son appel le plus absolu. Il demande encore à ces personnes-là de le laisser en vie. Et donc toi, le petit prêcheur de la haine qui se cache dans un véhicule qui n'a même pas de numéro de châssis, tu en prendras pour ton compte. Et ça, on le dit à ceux qui sont ici. Chers parents, je vous l'ai toujours dit, les Gors, ce ne sont pas les peuples de l'Ouest. Les Gors, ce ne sont pas les Bété, ce ne sont pas les Wobé, ce ne sont pas les Guéré. Les Gors, c'est un individu, c'est une gamme d'individus haineux. C'est une gamme d'individus qui ne pensent qu'à eux-mêmes
et qui sont prêts à détruire le monde tant que eux, leurs revendications et leurs désirs ne sont pas satisfaits. Et face à ces gens-là, il faut que tout le monde entier se mette ensemble pour les combattre et les réduire à néant. C'est la seule expression possible. Et là, nous allons utiliser tous les mécanismes juridiques et légaux pour essayer de contraindre ces personnes-là à comprendre qu'on ne peut pas vivre dans une société organisée en hommes sauvages. Il y a au moins un minimum de culture, de savoir-vivre qui existe dans une société et on ne parle pas n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on n'est pas seul dans la nature comme un véritable homme sauvage. C'est à croire que ces individus se trompent d'époque et se retrouvent en véritable homme sauvage dans le 21e siècle. C'est tout ce qu'il a démontré. Mais sachez que cette sauvagerie commence par Babo lui-même, qui est un véritable néandertalien, un véritable sauvage dans l'âme. Et sa sauvagerie, il l'a cultivée. Et sa sauvagerie a créé la culture du meurtre en Côte d'Ivoire à travers Blé Goudé, qui ne se privait pas de brûler les personnes vives. À travers Sorogium, qui a martyrisé, tué, massacré, et ses parents et toute la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, comme on le dit, un mauvais arbre ne peut produire que des mauvais fruits. Et M. Laurent Gbagbo, vous êtes un arbre de la pire espèce ayant produit les pires calamités qui puissent exister en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ce que j'ai envie de vous dire, mais je vous dis la vérité. Et donc, nous allons nous charger pour une fois devant l'histoire de l'humanité. Votre arrivée sera votre pire jour sur la terre, M. Laurent Gbagbo. Et sachez que, chers haineux, tant que vous continuez à nous galvaniser, c'est avec plaisir que nous acceptons l'invitation. L'invitation, elle est plus qu'acceptée. Laurent Gbagbo peut venir à n'importe quel moment. Il nous suffit d'avoir la date et nous allons vous montrer, M. Laurent Gbagbo, que ce sera le pire des jours que vous allez vivre sur cette terre. Parce que la suite, personne ne pourra vous dire ce qu'il en serait. Et ce jour-là, la haine que vous cultivez, vous allez prendre les conséquences, vous et vos militants, gore, vous allez subir de façon violente les conséquences de votre haine. Vous voulez la haine, vous serez servi et vous serez servi au-delà de ce que vous espériez. Et sachez que ce que vous insultez, ce que vous avez brûlé vif, vous pensez que c'est des gens qui sont restés et qui n'ont pas une âme. Ces gens ne seraient plus. Vous regardez et vous laissez faire le beau temps et la pluie. Sachez aussi que partout où vous serez dans le monde, vous pouvez continuer à faire ce que vous avez à faire, mais on ne va plus vous donner de répit. Ça aussi, c'est une réalité qui va s'imposer à vous. Et donc, chers auditeurs, je vous dis merci. Chers parents de Paris, je parle des Ivoiriens de Paris, ensemble en tant qu'une communauté, posez plainte contre ces haineux. Parce que chacun de nous a ses parents en Côte d'Ivoire. Chacun de nous a ses parents et des intérêts en Côte d'Ivoire. Même si nous ne le faisons pas à cause de nous-mêmes parce que nous sommes déjà dans les bonnes grâces de ces pays occidentaux, faisons-le pour l'amour de ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir. Tout le monde ne peut pas aller en Occident, comme tout le monde ne peut pas avoir les mêmes chances, mais on peut aussi créer des canaux pour permettre aux uns et aux autres d'espérer vivre dans un monde où chacun mérite sa dignité, où chacun mérite le respect, où chacun aura sa petite part de chance dans cette vie. Ça, c'est totalement possible. Je vous dis merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je ne m'attends qu'à une seule chose, que demain, si vous êtes un élève de la classe et que vous êtes à Paris, vous pouvez aller. On vous a donné et le numéro, et le nom de l'individu, et la pièce à conviction, vous l'avez. Vous prenez ça, incitation à la haine. Incitation à la haine tribale et au meurtre. Et vous posez plainte tranquillement. Vous pouvez le faire seul, comme vous pouvez le faire à 3 ou même à 10. Sincèrement, ne laissez pas la journée de demain finir sans que vous ne puissiez prendre vos responsabilités. Si vous le faites, vous aurez fait beaucoup de choses. Si vous ne le faites pas aussi, nous ne vous tiendrons pas rigueur, mais nous comprendrons que vous avez manqué un tournant décisif de l'histoire. Et j'espère bien que vous allez réussir. Je vous dis merci, que chacun passe une bonne nuit et que Dieu nous protège et surtout qu'il transforme la haine en amour dans le cœur de toutes les personnes. Bonne nuit à chacun et merci et bonne nuit.